Et donc, on va voir ce que vont faire les joueurs de Liverpool sur le terrain de Manu On rappelle aujourd'hui. les enjeux, les positions au classement. Liverpool est deuxième parce qu'Arsenal a gagné hier, parce que Manchester City a gagné hier également. Les trois équipes, vous le savez depuis quelques semaines, qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Un point entre Arsenal, Liverpool et Manchester City. United est sixième et rêve encore de Ligue des Champions, mais doit au moins déjà assurer une place pour la prochaine Ligue Europa. Vous êtes pour qui aujourd'hui, Olivier? Quelle affiche Manchester vous United. Votre club de cœur. C'était prévisible. Non, j'aime pas cette équipe, mais je vais les supporter aujourd'hui. Voilà, c'est fait. Mais ça fait les affaires de revers. Ouais, c'est ça, ça fait les affaires de revers. Normalement, ça devrait être l'inverse. Non, mais quand il faut choisir entre Flo et moi, il choisit. Il faut les laisser dans le doute, psychologiquement. Non. Mais je trouve que cette équipe d'Arsenal me fait plaisir. Je dois le dire, et je pensais pas qu'ils tiendraient sur la distance. Et là, ils sont en train, en plus, dans la manière. Ils ont été très, très, très costauds hier. Tiens, on va reparler de cette course à trois avec City et Arsenal. Mais quand même, Tom, alors oui, il y a cette lutte pour le titre qui concerne Liverpool. Ça reste, et aussi, on le dit à chaque fois, un match à part, c'est le classique du foot anglais, Liverpool-Manchester United. Il y a une rivalité encore plus exacerbée cette saison parce que United pourrait essayer de mettre des bâtons dans les roues de son rival historique. Oui, et c'est ça un peu l'objectif principal pour United. Il reste en course. En FA Cup, il ne faut pas oublier, ils sont aussi à la lutte pour les places européennes, mais s'ils peuvent faire quelque chose pour spoiler la fin de saison de Jürgen Klopp, ça leur rendrait très heureux. Donc il y a plusieurs enjeux pour les Red Devils aujourd'hui. On a vu les 20 titres remportés par United, les 19 jusqu'ici par Liverpool. Le 20e, faudra aller le chercher, faudra faire mieux qu'Arsenal et Manchester City qui ont joué hier, qui se sont baladés hier. On était ensemble, Robert, dans Match of the Day. Victoire tranquille de City à Palace, victoire tranquille un peu plus tard d'Arsenal à Brighton. On annonçait des pièges de part et d'autre pour ces trois prétendants au titre. Pour l'instant, ils sont au-dessus. Il faut que Liverpool, même si l'adversaire est évidemment peut-être plus coriace, il faut que Liverpool en fasse de même, Olivier. Ouais, et surtout, au-delà c'est le contenu, c'est les joueurs qui ont été décisifs. Mmh. Quand je vois que De Bruyne, il était sur le banc mercredi, et derrière, il répond avec un doublé, et Foden, il était sur le banc. Donc je me dis que l'ensemble de l'effectif est concerné. Je le disais aussi, la victoire d'Arsenal hier. Ouais, très autoritaire à Brighton. Ouais, parce que c'est jamais facile à Brighton, et eux, ils ont montré une certaine... Ils ont assuré et ils m'ont surpris. François Marchal, Jean-Luc Caribar, vous allez commenter cette rencontre entre United et Liverpool qui démarre à 16h30. On l'a dit, Arsenal et City ont assuré hier. Il faut que Liverpool en fasse de même sur la pelouse d'Old Trafford. On va voir avec vous la composition choisie par Jürgen Klopp. Oui, Jürgen Klopp qui opère trois changements par rapport au match de jeudi, la victoire contre Sheffield United. On va noter d'abord qu'Ibrahima Konaté est sur le banc aujourd'hui. C'est Jarrell Kwanzaa qui lui est préféré en défense centrale. Pour le reste, c'est plutôt classique, retour aussi de Robertson à gauche. Ça, c'est important. Retour de Robertson qui a été blessé, qui a fait des bouts de match pour se remettre en jambes. Il a été très bon, très très bon quand il est rentré lors du dernier match. Et il est titulaire. C'est Gomez qui n'avait pas démérité du tout, qui en fait les frais parce que Bradley est toujours maintenu au poste d'arrière droit. Donc, retour aussi de Endo au milieu de terrain. Il y avait un doute sur sa participation. Ça va permettre à McAllister d'aller jouer un petit peu plus haut. Ce sera Szoboszlai, l'autre animateur côté droit. Et puis une attaque qui ne change pas avec Salah, Nunez et Diaz. Liverpool va bien. Liverpool était leader jusqu'à hier et pourrait le redevenir en cas de succès à Old Trafford. On ne peut pas en dire autant de l'adversaire. Manchester United qui est sixième, qui rêvait et qui rêve encore parce que ce n'est pas mort mathématiquement d'une place en Ligue des Champions. La quatrième, voire la cinquième, serait peut-être qualificatif pour la Grande Coupe d'Europe. Mais au rythme où ils vont, ces Red Devils, va falloir qu'ils regardent plutôt derrière, Robert, qu'ils assurent une place en Ligue Europa parce que cette équipe, elle est capable de tout et malheureusement souvent du pire. On l'a vu, c'est pas plus tard que cette semaine, c'était jeudi sur la pelouse de Chelsea, un match qu'ils ont mené jusqu'à la 98e minute à Chelsea, mené 3-2. Ils vont concéder d'abord un pénalty transformé à la 100e minute par Cole Palmer et même pas un 3-3 à l'arrivée, un 3-4 parce que 101e minute, ils vont prendre un but comme ça. C'est le symbole de cette équipe qui marche un peu sur la tête quand même. Bah, c'est le symbole d'une équipe qui va pas bien, mais depuis le début de saison, c'est-à-dire qu'elle est instable, elle est irrégulière dans tout ce qu'elle nous propose. Et la preuve sur ce quatrième but, c'est que il n'y a personne. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un manque de communication et de concentration. Et c'est vrai que de voir Manu aujourd'hui dans cette situation, ça fait mal, c'est triste même, parce que bon, c'est quand même un monument du football anglais. Donc aujourd'hui, ils peuvent se racheter et montrer un autre visage, pratiquer pourquoi pas un beau football.
parce que mercredi face à Chelsea, ils avaient la possibilité d'aller de s'imposer. Malheureusement, ça s'est pas fait. C'est incroyable, Olivier, ce genre de contre-performance, de saut de concentration, de je ne sais quoi, mais c'est fou cette équipe de United. Je trouve qu'elle est égale à elle-même en fait depuis les deux dernières saisons. On ne sait pas quoi attendre de cette équipe. Ils peuvent faire des choses exceptionnelles et en même temps derrière, bah, ils vont perdre contre une équipe dite inférieure. Et même dans la manière, on ne sent pas une équipe, on ne sent pas de cohésion et dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bah, tout se déraille. Il y a une stat qui résume bien les problèmes actuels de United. Depuis le début de l'année civile, il a subi 225 tirs de ses adversaires. Et ça, c'est plus qu'à n'importe quelle autre équipe dans les 5 grands championnats européens. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue défensif, c'est catastrophique. Tiens, il y a un exemple qui plaide pour les Red Devils dans le côté positif. C'est il y a 3 semaines, ils ont reçu Liverpool en Cup. Ils ont gagné 4-3 en prolongation. C'était un match assez formidable. François, Jean-Luc, on va parler de la composition des Red Devils. C'est toujours un match à part pour n'importe quel joueur de Manchester United, un match contre Liverpool. Quand vous êtes un Français de même pas 20 ans qui a quasiment pas joué à ce niveau-là, ça doit forcément être encore plus particulier. Oui, ce Français s'appelle Willy Kambuala, il a 19 ans, il va être titulaire en défense centrale aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de blessés dans ce secteur de jeu. Varane est blessé, Evans, Lindelof, Martinez. Résultat, c'est Kambuala qui a été titulaire une seule fois dans sa carrière avec United qui va l'être aujourd'hui à Old Trafford contre Liverpool. Oui, sacré match pour lui, pour Willy Kambuala, donc à faire équipe avec Maguire. Vous pouvez rajouter Shaw aussi, hein, qui est à l'infirmerie. Heureusement pour Man United, Casemiro, qui était douteux, peut jouer. Donc il fera toujours équipe avec le jeune et formidable Kobbie Mainoo au milieu de terrain. Et pour le reste, retour de Rashford aussi à la place d'Anthony. Anthony qui avait été bon lors du dernier match à Chelsea, mais qui est sans doute ménagé par Ten Hag, qui doit faire des choix. Olivier, vous étiez avec moi sur le plateau de Match of the Day quand on avait découvert Willy Kambuala, c'était cet hiver face à West Ham. Là, c'est encore le step au-dessus hein, parce qu'on reçoit l'une des meilleures équipes d'Europe. Voilà, il faut prouver. Vous le dites souvent, quand un jeune démarre, c'est que l'entraîneur n'a pas trop le choix. Il n'a pas le choix parce qu'il y a des suspendus ou il y a des blessés. Donc, s'ils le font jouer, c'est qu'il a des qualités, il est bon. Et je ne suis pas inquiet pour lui puisque lors des grands matchs, il peut avoir cette pression qui peut l'inhiber un peu, mais... Il n'a rien à perdre parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est l'équipe qui a concédé le plus d'occasions. Donc, il risque pas grand-chose. Il va avoir du travail. Il va y avoir des vagues. Quoi qu'il arrive, il va y avoir des vagues qui vont arriver. Des vagues. Maintenant, après, c'est à lui de saisir cette chance et cette opportunité qui lui est donnée. Donc, quand on est jeune, c'est ce qu'on attend. Aujourd'hui, il a l'occasion de montrer que c'est un bon joueur et c'est un bon défenseur et que bon... qu'il a un adversaire de taille, Nunez, donc à lui d'être fort, costaud et de s'imposer. On a vu sa fiche, il a un parcours un peu similaire à celui d'Ibrahima Konaté, formé à Sochaux et ensuite parti, même si Konaté était passé par l'Allemagne, on lui souhaite le même destin. Aujourd'hui, ça va être compliqué pour Kambuala et pour les Red Devils parce qu'ils reçoivent une magnifique équipe de Liverpool qui lutte pour le titre. On se quitte une minute à peine et on revient pour l'entrée des deux équipes. À tout de suite. Mohamed Salah, il est le meilleur buteur de l'histoire de cette confrontation. C'est le 214e match entre Manchester United et Liverpool. Et c'est un match qui va compter assurément dans l'histoire de cette saison. Liverpool a vu Manchester City gagner hier. Liverpool a vu Arsenal gagner hier. Liverpool se doit de l'emporter pour reprendre la première place. Jean-Luc, on découvre les compositions d'équipe, celle de Manchester United. Eric Ten Hag qui aligne donc le jeune Français Willy Kambuala en défense. Oui, parce qu'il n'a pas beaucoup de choix, Eric Ten Hag en défense. Lindelof, Shaw, Martinez, Varane et Evans sont blessés. Willy Kambuala va faire équipe avec Maguire. C'est un sacré challenge pour lui. Casemiro était douteux. Casemiro va jouer. Il sera aux côtés de Mainoo. Bruno Fernandes sera l'animateur offensif. Derrière une attaque où Rashford fait son retour à la place d'Anthony. Rasmus Højlund aligné en pointe. Anthony est sur le banc.
un banc largement rajeuni compte tenu des nombreuses absences. Les choix de Jürgen Klopp pour ce choc. C'est Kwanzaa qui a été préféré à Konaté en défense centrale. Retour également comme titulaire d'Andy Robertson. Oui, voilà les deux changements majeurs en défense. Le retour de Robertson était attendu. Gomez va être sur le banc. Gomez qui avait fait des bons matchs pourtant, mais confiance au jeune Bradley à droite, au poste d'arrière droit. Et Endo qui était douteux, fait son retour. Endo au milieu de terrain sera donc titulaire. L'attaque reste inchangée. Ibrahima Konaté sur le banc. Et Mohamed Salah qui emmène l'attaque de Liverpool aujourd'hui. N'a pas été très bon jeudi contre Sheffield, sorti autour de l'heure de jeu par Jürgen Klopp. Mais là, c'est son match, c'est son moment, tout comme Marcus Rashford qui adore les confrontations à Old Trafford contre Liverpool. Et il pleut fort sur Old Trafford pour le coup d'envoi. Accolade de Jürgen Klopp, Eric Ten Hag. Pour Jürgen Klopp, c'est aussi une dernière à Old Trafford en qualité de manager de Liverpool. Anthony Taylor va donner le coup d'envoi de ce grand moment, de ce grand match de Premier League. Un duel grandiose entre Manchester United et Liverpool. C'est le 214e de l'histoire. Et c'est un match absolument fondamental pour les Reds dans la course au titre. Ils doivent gagner pour repasser devant Arsenal, qui a battu hier Brighton. McAllister, premier ballon pour Liverpool. Luis Diaz et retour de Bruno Fernandes qui intercepte. Bradley va récupérer le ballon. Mohamed Salah. Première possession de Liverpool dans le camp adverse. Avec Van Dijk, avec Endo. Salah qui appelle Szoboszlai, qui a trébuché. Pas de faute d'Harry Maguire. Casemiro. À la relance, encore un ballon récupéré par Liverpool. Qui essaye d'imposer son rythme dans cette. Allez, bonsoir à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Old Trafford. Première occasion pour Anthony qui va peut-être aller marquer mais qui part de très loin. Est-ce qu'il est en position de hors-jeu? Oui, c'est pour ça qu'on va pas, bien évidemment, c'était Garnacho bien sûr, on va pas bien évidemment mettre beaucoup d'émotion sur cette action parce qu'il était assez nettement en position de hors-jeu. Voilà, donc première occasion, déjà première situation quand même pour Manchester United, le derby d'Angleterre, un match tellement différent des autres parce que c'est une rivalité historique énorme. Est-ce qu'il est hors jeu, Garnacho? Alors, il n'y a pas la ligne droite de Longchamp, mais pas la ligne droite des Champs-Élysées, mais quand même, il semble bel et bien en position de hors jeu. Un match tellement important, ce Manchester United, Liverpool dans la course au titre. Alors voilà, il n'y a plus de confrontation directe entre Arsenal, Manchester City et Liverpool, mais attention là, la perte de balle de Kwanzaa, attention, on reviendra sur la course au titre juste après, parce que Bruno Fernandes va crocheter Kwanzaa. Très bon retour de Kwanzaa qui s'est parfaitement rattrapé, il s'en excuse de sa perte de balle, de sa mauvaise relance. Mais voilà, il n'y a plus de confrontation directe entre les trois gros, donc forcément, voilà, tous les matchs vont être importants. On est à la 31e journée, tous les matchs vont être importants. Et forcément, Old Trafford peut faire figure de match piège, en tout cas de stade piège pour Liverpool, mais qui va peut-être déjà ouvrir le score sur Szoboszlai. Oh, la parade énorme de la part d'André Onana. Énorme la parade d'Onana. Et attention derrière, avec Mohamed Salah qui tente de centrer. C'est pas terminé le contre-pressing, mais c'est sûr que voilà, il y a l'ambiance d'Old Trafford, mais il y a aussi une équipe de Manchester United qui défensivement n'est pas hyper rassurante. Et ça peut jouer en la faveur de Liverpool. Il y,
Il y avait eu 4 buts à 3 lors du dernier match en FA Cup. Ça s'était terminé en prolongation et c'était Manchester United qui l'avait emporté. Ça, c'est bien joué. McAllister qui va récupérer ce ballon. Robertson qui va obtenir la touche. Le choix côté Jurgen Klopp, c'est la titularisation de Kwanzaa au dépens de Konaté. Mais on revoit cette action avec ce ballon extérieur du pied de Salah pour Dominik Szoboszlai. La porte s'était ouverte pour le Hongrois et derrière, quelle parade d'André Onana. Magnifique. Et derrière, la touche obtenue par Luis Diaz. Mais on le sait, hein, cette équipe de Man U qui, défensivement, n'est pas sereine. Et forcément, Liverpool va tenter de faire mal. Bruno Fernandes qui va perdre ce ballon. Mais il y aura une petite faute du japonais Endo. Manchester United qui a concédé 44 buts cette saison. C'est 20 de plus que Arsenal. C'est 16 de plus que Liverpool. C'est 13 de plus que City. Bref, elle est aussi là la différence entre une équipe comme Manchester United et une équipe comme Liverpool. C'est défensivement parlant, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de blessures. Aujourd'hui, c'est Willy Kambuala qui est aligné en défense centrale. Le jeune français de 20 ans. L'absence de Varane notamment, de Lisandro Martinez, pour ne citer que. Allez, ça c'est bien joué. La récupération de la part de Luis Diaz qui va percuter dans l'axe. Luis Diaz, le 1-2 avec Szoboszlai, la paire de balles de Szoboszlai. Et derrière la contre-attaque, peut-être le gros tacle sur Marcus Rashford. L'avantage a été laissé à Casemiro. Rashford qui se plaint auprès de monsieur l'arbitre. Mais c'est finalement United qui va conserver la possession de ce ballon. Le décalage sur la gauche avec Aaron Wan-Bissaka. Bruno Fernandes qui s'efface. Casemiro, Wan-Bissaka qui est parti. Wan-Bissaka qui va peut-être tenter sa chance. Non. Le crochet malheureusement manqué pour lui. C'est pas terminé. Marcus Rashford qui va écarter sur le côté droit avec Diogo Dalot. On part sur les mêmes passes qu'en FA Cup. On va se régaler avec Garnacho. Le petit ballon pour Kobbie Mainoo. Dans la surface de réparation. Quel dommage. C'est pas terminé. Très bonne récupération de la part de Casemiro. Le centre de Dalot vers Kobbie Mainoo. On s'en sort côté Liverpool, mais quelle pression côté Manchester United. Attention à ne pas se faire prendre en contre-attaque avec Darwin Núñez qui est lancé. Le retour de Kambuala, Núñez qui glisse et qui va buter sur Harry Maguire. C'était une contre-attaque à vitesse grand V avec Mohamed Salah qui avait fait un appel. Mais malheureusement, Darwin Núñez a glissé. Kobbie Mainoo pour baisser un peu de rythme, pour réguler un peu tout ça. Parce que forcément, là on est parti tambour battant. On part sur un match où on va se régaler, où il va y avoir du spectacle. C'est le derby d'Angleterre, mesdames et messieurs. Aaron Wan-Bissaka avec Harry Maguire qui va prendre son temps. Liverpool qui a affronté cette semaine, dans le courant de la semaine, la lanterne rouge Sheffield United. Bah, c'était pas si facile que ça. Hein. Il a fallu attendre un but exceptionnel de la part d'Alexis McAllister. Attention, le ballon dans le dos de Virgil van Dijk qui va finalement couper. C'est pas terminé. Bruno Fernandes. Fernandes, le décalage sur la gauche avec Marcus Rashford. Le retour de Connor Bradley qui va malheureusement perdre son duel. C'est pas terminé avec Wan-Bissaka. Casemiro qui va écarter sur le côté gauche. Bruno Fernandes. C'est bien, ça combine dans les petits espaces. Pourquoi pas. Le renversement de jeu de Bruno Fernandes, c'est très bien fait. Garnacho qui a glissé, qui reprend ses appuis. Garnacho dans la surface de réparation face à Robertson. Le centre de Garnacho, ce sera un corner pour Manchester United qui veut bien évidemment remettre les points sur les i après sa défaite cruelle à Stamford Bridge face à Chelsea. Et déjà un carton jaune dans ce match. Il est pour qui ce carton? Il est pour Connor Bradley sur ce tac tout à l'heure. Il a emporté tout le monde, en l'occurrence Rashford. Monsieur Taylor ne l'avait pas oublié ce carton. Oui, il l'a découpé. Il l'a découpé. Bon, c'est la 7ème minute de jeu, c'est sûr que ça peut jouer dans la tête. Allez, ce corner pour Bruno Fernandes. C'est parti pour le Portugais. Au premier poteau, ça ne passe pas. Ce sera quand même un deuxième corner consécutif parce que le dégagement de Andrew Robertson n'était pas super. Et nouvelle opportunité pour l'ancien joueur du Sporting Portugal qui a dû apprécier la victoire des Verts et Blancs sur Benfica 2-1 hier soir. Je vous invite à voir le résumé parce que c'était un super match. Allez, Bruno Fernandes à nouveau pour frapper. Ce coup de pied arrêté, c'est mieux frappé, mais c'est toujours repris au premier poteau. C'est pas terminé avec Marcus Rashford qui récupère ce second ballon. Le décalage vers Aaron Wan-Bissaka qui va temporiser et revenir derrière lui, avec Diogo Dalot, André Onana qui dézone totalement. Et attention, le bon ballon avec
avec bien évidemment Alejandro Garnacho qui était parti dans la profondeur, mais c'est Virgil van Dijk qui est venu couper la trajectoire de ce ballon. Et derrière peut-être une contre-attaque pour Liverpool avec Dominic Szoboszlai qui va ressortir, il prend trop de risques. Szoboszlai, ça fait deux fois qu'il perd le ballon dans une zone dangereuse, c'est-à-dire dans l'axe. Et le bon retour peut-être maintenant, à moins que ce soit Rasmus Højlund qui parte. Rasmus Højlund qui va écarter sur le côté droit avec Garnacho. Mais là, il y aura un bon retour de Andrew Robertson. Troisième corner. L'espace de deux minutes pour Manchester United qui entame parfaitement sa partie. Liverpool est secoué. Et Liverpool va devoir réagir. Parce qu'ils se font rentrer dedans par une équipe de United qui a l'envie, qui a envie de répondre aux attentes de ce derby. Willy Kambuola au duel avec Virgil van Dijk. C'est parti, Fernandez, c'était mieux frappé, c'était au point de péno. Nouveau second ballon pour Rashford, cette fois-ci ce sera un 1-2 entre Rashford et Van Bissaka. C'était difficile pour Rashford, le croche-pas sur Conor Bradley qui s'en sort très bien et qui va finalement obtenir la faute. 9ème minute de jeu et quasiment personne sur ce live malheureusement. Avait un peu de monde, on était 11, la personne qui est là se reconnaîtra, merci à elle en tout cas d'être présent. Toujours 0-0 donc entre Manchester United et Liverpool, on espère que le monde va revenir au fur et à mesure de cette rencontre. Virgil van Dijk qui ressort avec Aza Endo, Charles Keller qui va écarter, je sais pas si c'est Charles mais en tout cas c'est Keller. Allez, c'était bien fait de la part d'Endo, mais très bon retour défensif de la part de Casemiro. Maintenant avec Darwin Núñez. Núñez, le centre, second poteau. Et c'était Mohamed Salah qui avait été servi. Il va obtenir le corner, le pharaon. Qu'est-ce que c'était bien fait. Et c'est Willy Kambuola, il me semble, qui a fait un bon retour. Il y a surtout une paire de balles là de Van Bissaka. Il y a peut-être une position de hors-jeu pour Núñez sur ce contre de McAllister. Mais en tout cas, ça va permettre. Non, c'est Kambuola qui a perdu le ballon, malheureusement, pour lui. Pour le français, et attention maintenant à ce corner et à Andrew Robertson. Premier corner pour Liverpool dans cette partie, qui va tenter de répondre à son opposant. C'est parti avec Robertson. Ce ballon au second poteau, Mohamed Salah qui contrôle. Szoboszlai, la frappe de Szoboszlai qui passe juste au-dessus des cages d'André Onana. Ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Qu'est-ce que c'était bien fait. Ah, il s'est appliqué cette fois-ci. Il a une qualité de frappe énorme, Szoboszlai. Et il a eu raison de tenter sa chance de si loin. Mais pourquoi pas Rasmus Højlund qui va malheureusement perdre son duel. Aza Endo qui est parti en contre-attaque. Endo peut-être pour décaler sur le côté gauche avec Luis Diaz. Luis Diaz pour Alexis McAllister. Luis Diaz. Ça, le renversement de jeu, c'est bien vu ça avec Conor Bradley. Virgil van Dijk servi par Kwanzaa, c'est bien fait ça avec le décrochage de la part de Luis Diaz à la limite du hors-jeu. Alexis McAllister qui va écarter sur le côté gauche avec Andrew Robertson. Endo, Kwanzaa, Bradley, c'est bien fait. Le décalage sur la droite maintenant avec Mohamed Salah qui va à nouveau ressortir. Attention au pressing de Rasmus Højlund. Et Conor Bradley qui retourne dans le fermé. Mohamed Salah qui va retourner avec son gardien. C'est ce que demandait Virgil van Dijk et c'est fait. Virgil van Dijk qui va ressortir avec son collègue de la charnière centrale, Kwanzaa. Premier temps mort dans cette rencontre qui a démarré tambour battant. Notamment grâce à l'intensité qui a été mise par Manchester United. Et on va essayer de récupérer le ballon. Liverpool n'arrive pas à avancer. Liverpool recule. Kwanzaa encore une fois. Qui va dégager au loin ce ballon. La tête d'Harry Maguire. Et derrière le duel remporté par Endo. Ce qui est... Ça a été bien fait hein, de la part de Van Bissaka. Mais attention maintenant avec Darwin Núñez. Núñez qui a voulu servir Luis Diaz sur le côté gauche.
Il était tout seul le Colombien, mais très bon retour de la part de Diogo Dalo qui a sauvé les siens sur cette action. Quel dommage là, sur cette contre-attaque qui était partie à 10 000. Encore une fois. Allez, Dominique Szoboszlai pour le frapper. Il sera frappé en deux temps. Ce corner, Mohamed Salah pour Connor Bradley. McAllister plutôt. Allez, McAllister qui va peut-être centrer. Non, qui va trouver Azaendo qui a décroché le japonais. Szoboszlai. Ah, jouer avec Luis Diaz, le décrochage, la part de Núñez. Luis Diaz qui feinte la frappe, qui effectue un petit double contact. Luis Diaz. Et qui va écarter maintenant sur le flanc gauche. Connor Bradley, Azaendo qui va ressortir maintenant avec Alexis McAllister. Virgil van Dijk. On s'est replacé. Finalement, ce corner n'a pas donné grand chose. On a essayé de se mettre en position de frappe, ça n'a rien donné. On repart sur une phase de possession placée. Azaendo avec Virgil van Dijk. Allez, il faut mettre de l'intensité. Après, on voit serrer un bloc défensif côté United qui est parfaitement disposé et solide. Allez, c'est bien joué ça avec Dominique Szoboszlai qui va écarter sur le côté droit avec Connor Bradley. Szoboszlai. Bien fait ça avec Azaendo. Le petit jeu en triangle. Bradley qui est parti dans la profondeur. Bradley qui a gagné son duel face à Van Bissaka, mais qui va concéder. Le 6 mètres, très bon retour de la part de Bruno Fernandez. Allez les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Je le remets dans le chat. Malheureusement, il y a... Il y avait une dizaine de personnes qui arrivaient. Je pensais que ça allait être pas mal, mais là, finalement... Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Il n'y a pas tant que ça de monde. Allez, André Onana pour ressortir ce ballon avec Willy Kambouala, décalé sur la droite. Diogo Dalo pressé par Mohamed Salah. Le dégagement du portugais. Et qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Virgil van Dijk qui a gagné son duel, qui a remisé en contrôle poitrine. C'est parfait. Point de ça. Avec Connor Bradley. Ça, le renversement de jeu, malheureusement, c'est peut-être un peu trop long, mais finalement, ce n'est pas sorti. Ça a été sauvé par Andrew Robertson. Bien joué, McAllister, le jeu en triangle qui avait été amorcé par McAllister, mais ballon finalement perdu. Et attention à la contre-attaque maintenant avec Rasmus Højlund qui va très vite. Rasmus Højlund qui a été pris par Virgil van Dijk. Très bon retour du Néerlandais. Bien joué, ça de la part de Rashford. Le dézonage de la part de Fernandez, malheureusement. Perte de balle, mais très bon retour de la part de Rashford qui a effectué un très gros tacle. Alors Serge, il va concéder la touche, mais les intentions, elles sont là. Contre-pressing. Forcément, et on a envie d'aller faire mal à l'adversaire. Allez, ce sera une touche pour Man U ou une touche pour Liverpool. C'était limite, mais non, ce sera une touche pour Man U avec Casemiro qui va écarter sur le côté droit. Avec Diogo Dalo qui va avoir un peu d'espace. Le portugais, pourquoi pas. Long ballon vers son compatriote Fernandez. Mais très bon retour de Connor Bradley. Il y avait une position de hors-jeu là pour Bruno Fernandez qui est très déçu, très énervé. La décision de monsieur l'arbitre, mais elle est justifiée. Et quand même, il n'y a pas de tir. Pas de tir pour Manchester United quand même. Malgré ce début de match avec de très bonnes intentions. On joue dans la cour de Liverpool, mais on n'arrive pas encore à mettre en danger cette équipe. Virgil van Dijk avec Kayomin Keller. Pour Kwanzaa qui va avancer, qui va avoir un peu d'espace là. Il faut en profiter. Pourquoi pas lancer McAllister. McAllister le contrôle. Il est merveilleux ce contrôle.
Dommage, ce ballon lui est resté un peu dans les pieds. Szoboszlai qui tente sa chance. Il a été parfaitement contré là, Dominik Szoboszlai. Et attention peut-être à la contre-attaque pour Manchester United qui finalement elle est avortée par Connor Bradley. C'est bien fait ça, McAllister. Le décalage sur la gauche. Robertson, le centre. C'était parfait. Oh, c'était parfait. C'était un grand jeu en triangle avec McAllister, avec Robertson et surtout l'arrivée dans la surface de réparation de Dominik Szoboszlai. Qu'est-ce que c'était bien fait! Quel centre de Robertson! Qui a déposé un caviar pour Szoboszlai, qui arrive peut-être un peu trop fort avec la pluie aussi, c'est pas facile à appréhender ce genre de ballon. En tout cas, il n'a pas réussi à ajuster sa reprise du droit, qui file à côté du premier poteau d'André Onana. Attention, le duel perdu là par Virgil van Dijk, mais qui se rattrape parfaitement face à Kobbie Mainoo. Robertson qui ressort avec Kayumin Keller. C'est ça qui est fort avec cette équipe de Liverpool. Il y a quand même de sacrés joueurs qui sont absents. Hein. On pense à Alisson, on pense à Trent Alexander-Arnold. Mais c'est vraiment un collectif rodé. On pense à Ibrahima Konaté qui, de par ses blessures, a aussi perdu sa place par rapport à Kwanzaa dans les gros matchs. Donc forcément, c'est vrai que c'est une équipe qui a... pour laquelle on s'inquiétait, mais finalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça, c'est bien joué. Le décalage sur la gauche. Bruno Fernandes qui a voulu retrouver Aaron Wan-Bissaka. L'occasion pour moi de parler des absents, hein, d'un côté comme de l'autre. Alexander Arnold, Alisson, Diogo Jota, bien sûr, on ne l'oublie pas. Joël Matip, Thiago, Stefan Bajetic. Et côté United, Johnny Evans, Lindelof, Tyrell Malacia, Anthony Martial, Lisandro Martinez, Scott McTominay, Luke Shaw et Raphaël Varane. Bref, que d'absence pour ces deux équipes finalement. C'est vrai que United est particulièrement touché, mais il y a quand même de sacrés patrons dans l'équipe de Liverpool qui sont assez gravement blessés, malheureusement pour vous. Allez, c'est bien joué, Azindo. Qu'est-ce que c'est bien fait là, ce jeu en triangle. Et regardez qui déboule, c'est bien évidemment Andrew Robertson. La vitesse de Robertson, l'Écossais qui va frapper. Malheureusement, cette frappe un peu trop croisée qui va filer assez nettement à côté des cages d'André Onana. Qu'est-ce que c'était bien fait de la part de Robertson. Mais malheureusement, cette frappe, est-ce qu'elle n'était pas... est-ce qu'elle était forcément dans le sens du jeu? C'est la question qu'on peut se poser. C'est vrai qu'à partir du moment où elle n'est pas cadrée, c'est sûr que on peut toujours trouver des arguments contre la justesse de cette action. Et on repart sur une phase de possession placée côté United avec Willy Kambuala, avec André Onana. Kambuala, on prend son temps hein, du côté des deux équipes pour ressortir proprement le ballon. Et on voit deux équipes qui ne pressent pas forcément très fort. En tout cas, on attend, on est en bloc médian et on essaye d'attendre l'adversaire, d'attendre une erreur tout simplement sur la relance. Et pourquoi pas là, avec Szoboszlai qui va enclencher le pressing. Le long ballon de la part d'Harry Maguire avec Willy Kambuala qui a dézonné. Garnacho qui se fait subtiliser le ballon par Alexis McAllister. Quel travail de forcené d'Alexis McAllister, l'Argentin, qui va écarter vers Luis Diaz. Luis Diaz se sent malheureusement qui était un peu manqué. Alexis McAllister avec Aza Endo. Oh, le petit ballon avec Mohamed Salah. Mais finalement, Kobbie Mainoo qui a dévié la trajectoire de ce ballon en corner. Nouveau corner pour Liverpool. Mais qu'est-ce que ça peut faire mal hein. Quand ils sont en position pour attaquer, il y a une telle technique, il y a une telle capacité, une telle qualité, capacité à transpercer les lignes, qualité à se révéler dangereux dans les 22 derniers mètres, les 30 derniers mètres. Enfin, voilà, c'est vraiment une équipe phénoménale. Il y a du duel dans la surface de réparation. Du gros duel. Allez, c'est frappé par Robertson en premier poteau. Et l'ouverture du score de Luis Diaz qui, bien évidemment, va profiter de cette déviation au premier poteau. Luis Diaz
encore et toujours, c'est l'homme inarrêtable de cette fin de saison. C'est l'homme qui fait tellement de différence, mais on ne l'attendait pas dans ce genre de situation, sur coup de pied arrêté. Et finalement, c'est bien lui qui vient créer la sensation ici à Old Trafford, mais qui vient surtout, bien évidemment, faire taire le théâtre des rêves. C'est la déviation de Darwin Núñez qui vient faire toute la différence. Luis Diaz pour venir ouvrir le score. On revit bien évidemment, comme d'habitude, ce but dans les conditions du direct. Andy Robertson. Petite parenthèse, des deux côtés, les joueurs offensifs sont cramponnés en moulé. Beaucoup. Ah oui, d'où certaines glissades aussi. Hein. Robertson rentrant la tête de Darwin Núñez. Luis Diaz ! Luis Diaz et Liverpool qui assument leur statut, qui assument leur glorieuse ambition. Liverpool tient tête et mène 1-0 à Old Trafford après 22 minutes. Ça, c'est le cop de Liverpool qui est dans le coin opposé et qui hurle sa joie de voir son équipe ouvrir le score sur coup de pied arrêté. Man United n'a pas su gêner Darwin Núñez et prendre au marquage. Mieux que ça, Luis Diaz qui est tout seul, qui a un peu de réussite sur sa volée parce qu'ils sont deux mancuniens, Onana et un défenseur, pour contrer cette reprise. Bien joué de la part de Núñez, mais surtout Diaz totalement seul pour faire cette volée un peu acrobatique. Et elle fuse justement parce qu'il rabat. Ouais, quel but de Luis Diaz, hein, quel but forcément. Ça va faire mal à Manchester United, mais ça va faire tellement bien à Liverpool. Attention, c'est pas terminé, Robertson. Ce centre à nouveau sur Harry Maguire, mais voilà, ce n'est pas terminé, loin de là. Liverpool avait mené à deux reprises, en FA Cup. Il n'avait pas tué le match. Là, je pense que Jurgen Klopp va appuyer là-dessus. Il faut tuer le match. Il faut se rendre les choses faciles. McAllister au poteau de corner face à Alejandro Garnacho. Qu'est-ce qu'il est malin, ce joueur. Est-ce qu'il va réussir à obtenir le corner? Mais qu'est-ce qu'il est fort, McAllister. Il va obtenir le corner alors qu'il y avait Fernandez et Garnacho à ses trousses. Nouvelle opportunité sur coup de pied arrêté pour les Reds de Liverpool. Orné d'une tenue blanche et verte pour la soirée, pour ce derby. Allez, au point de péno, il y a du Luis Diaz. Notamment, encore une fois, c'était bien frappé, mais cette fois-ci, ça a été repris. Chobosla, il a volé. C'est contré. Encore Núñez à la déviation, mais derrière, le long dégagement de Bruno Fernandez. Connor Bradley peut-être pour remiser. La tête de Willy Kambuala. Azaindo. Joué la déviation. Superbe aussi la récupération là de la part de Dominique Szoboszlai. Azaindo. Ouais, superbe le tac de Kobbie Mainoo. Magnifique. Et une contre-attaque pour Manchester United avec Rasmus Højlund qui va écarter sur le côté gauche avec Bruno Fernandez. Le contrôle, il était bon de la part du Portugais, mais qui a été taclé par Alexis McAllister. Cette fois-ci, il a loupé son retour. Et ce sera donc un petit coup franc. Un petit coup franc pour cette équipe de Man U qui va tenter de réagir. Forcément, c'est vrai que Liverpool a été efficace, mais pour le moment, United n'est pas assez dangereux. Il y a eu de bonnes attitudes aussi dans ce début de match, mais depuis, on attend mieux, on attend plus. On attend ce second souffle, et pourquoi pas sur ce coup de pied arrêté avec Bruno Fernandez au second poteau. Oh, ce ballon qui passe devant tout le monde. C'était Casemiro qui avait remisé, qui n'a pas réussi à cadrer. Il partait de loin, il n'était pas en position de hors-jeu, il était seul. Et derrière, Kambuala Højlund qui n'arrive pas à reprendre ce ballon. Quel dommage pour Manchester United, et quelle occasion. Oh, ça a été juste dévié par Núñez. Ça devait être un corner. Est-ce que ce sera un corner? Ça a été légèrement dévié. Hein. Finalement, il n'y aura pas de corner. C'était presque invisible à l'œil nu, à vitesse réelle. Ouais, bien joué ça de la part de McAllister. Le contrôle, il est seul. Il pose le ballon et on repart sur une phase de possession placée. Luis Diaz, le buteur.
reviendra sur ses stats dans quelques instants. Luis Diaz qui a été parfaitement repris là par Diogo Dalo. Et c'est bien fait. Bruno Fernandez. Fernandez qui va se mettre sur son pied droit. Højlund. Højlund qui a été repris. Parfaitement repris encore une fois par Alexis McAllister. Fernandez, très bon retour avec Kobbie Mainoo. Le décalage sur la droite avec Alejandro Garnacho qui va percuter et qui a été encore une fois repris là par Alexis McAllister. Une prise à deux, c'est Szoboszlai qui est venu faire figure de seconde lame, de second couteau. Non, c'est Núñez, pardon. Et il a réussi à obtenir donc une faute. Et donc, bah, c'est le moment pour moi de revenir sur les stats de Luis Diaz. Phénoménal, phénoménal ce garçon qui quant à lui n'arrête pas de gagner en ce moment. Parce qu'il a sorti de deux matchs amicaux avec la Colombie où il a gagné, son festival face à l'Espagne où il offre un magnifique but à David Munoz. Daniel Munoz, pardon. Mais voilà, en tout cas, il est en forme. Luis Diaz, 7 buts, 4 passes D, c'est très fort. Très très fort pour le Colombien. Allez, ce long ballon, pourquoi pas, avec Darwin Núñez. Attention, Cambola qui est passé au travers. Núñez qui va malheureusement subir le retour de Cambola qui, malgré cette erreur, a effectué un retour divin. La vitesse de Cambola, mauvaise lecture, mauvais contrôle. Et derrière, quelle prise de risque dans la surface de réparation avec ce tacle. Ah, il a été applaudi hein, par Old Trafford et il a harangué la foule derrière. Ça va le mettre en confiance, ce jeune Français, qui, on le rappelle, est titulaire sur ce match. C'est une demi-surprise puisqu'il y a plein d'absences, mais en tout cas, c'est vrai que c'est la meilleure chance d'apprendre pour lui. Hein. Ça, c'est bien fait. Un derby d'Angleterre. Ah, Garnacho qui va perdre le ballon. Ah, il va perdre le ballon, dommage là. Ah, ils peuvent faire mieux quand même, les Red Devils, maintenant, techniquement. Bien joué ça, McAllister. Ouais, perte de balle peut-être de Szoboszlai. Très bonne récupération avec Kobbie Mainoo. Ce serait bien hein, qu'un Willy Cambola marche sur les traces de Kobbie Mainoo, qui est maintenant devenu titulaire dans la sélection des Three Lions. La faute d'Aza Endo, mais Kobbie Mainoo, voilà, qui vraiment, cette saison, est en train d'exploser aux yeux du grand public. Ouais, il s'est bien fait hein, de la part de Fernandez, qui arrive juste en avance pour obtenir la faute. Aaron Van Bissaka avec Casemiro pour Diogo Dalo. Garnacho. Diogo Dalo avec Casemiro qui tente une passe très compliquée là dans la profondeur. C'est un manque de patience et c'est surtout assez inutile hein, de la part de Casemiro de faire ça. Il fallait attendre et finalement il ne l'a pas vraiment fait. N'hésitez pas à répondre au sondage les gars, bien sûr. 13 votes pour le moment et ce sont les Reds de Liverpool qui l'emportent dans le team supporter. Et c'est bien fait ça, le décalage sur la droite avec Mo Salah qui va obtenir la touche dans son duel avec Marcus Rashford. Ça s'est un peu calmé hein, depuis l'ouverture du score de Liverpool. On voit une équipe de Man U qui est un peu impuissante. Une équipe de Liverpool qui, au contraire, est plus en mode gestion. Mais attention à ne pas s'endormir, comme durant le match en FA Cup. Bien joué ça, Darwin Núñez, Conor Bradley qui est de duel avec Marcus Rashford. Il n'y aura pas de faute obtenue par le Nord-Irlandais. Très bon retour de la part d'Aza Endo. Et derrière, Rashford qui prend un énorme risque. Heureusement que Onana est très à l'aise au pied, le contrôle poitrine. L'enchaînement derrière avec Diogo Dalo. Harry Maguire. Équipe de Liverpool hein, qui maintenant essaye de défendre solidement en bloc médian. Attention, ouais, Willy Cambola voilà, là. Faut appuyer ses passes, faut les claquer. Parce que là, ça fait deux fois. Ça fait deux fois qu'il se fait une frayeur, Willy Cambola voilà, donc méfiance pour lui. Et Diogo Dalo pour effectuer cette touche. Et Harry Maguire. Pour remonter le ballon. Une transversale à destination. Le Rashford, le petit lob sur Bradley. De la part de Marcus Rashford qui attend le dédoublement de Van Bissaka mais qui est droitier. C'est pas facile pour lui, c'est pas évident de centrer. Et derrière, malheureusement,
est obligé de perdre le ballon, de le rendre à Liverpool. Mais finalement, très bon contre-pressing avec Casemiro pour Kobbie Mainoo qui est à l'aise dans les petits espaces, mais qui va finalement se faire subtiliser le ballon. Nouvelle contre-attaque, nouvelle vague pour Liverpool avec Luis Diaz. Luis Diaz qui a le dédoublement de Robertson. Le petit ballon pour Salah. La frappe de Salah. Et quel dommage que Luis Diaz ne lui adresse pas un ballon dans la profondeur. Parce qu'il a dû ralentir sa course, Mohamed Salah. Mais quelle contre-attaque, quelle parade d'André Onana, bien évidemment. On revoit encore une fois McAllister en meneur de jeu. Il y a le dédoublement de Robertson, ça ouvre la porte à Mohamed Salah. La frappe, elle est intéressante. Hein. Mais je vous le dis, il est obligé un peu de ralentir sa course parce que le ballon de Luis Diaz n'est pas parfait, loin de là. Et nouveau coup de pied arrêté pour Andrew Robertson. C'est parti pour Robertson au second poteau. Mo Salah qui a du temps. La frappe de Salah. La frappe encore cadrée. Et la nouvelle parade d'André Onana. C'est la deuxième consécutive pour le portier camerounais. Il avait tout le temps devant lui, Mohamed Salah. Le contrôle n'est pas super. Mais derrière, c'est enroulé. Alors je ne sais pas si c'est cadré. Mais en tout cas, André Onana, il assure. Ouais. Ça discute avec Bruno Fernandez. En tout cas, le corner, il est joué à deux. Attention, ne pas manquer d'attention. Hein, comme sur le corner gagnant pour Cole Palmer. Ah, le but du 4 buts à 3 pour Chelsea la semaine dernière. En tout cas, jeudi dernier, pardon. Allez, pourquoi pas, Dominique Choboslai. Quel ballon pour Núñez. Oh, la frappe qui va passer juste au-dessus pour Darwin Núñez. Encore une fois, à l'image de Choboslai tout à l'heure. Ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Quel dommage là pour Darwin Núñez qui a enroulé sa frappe. Mais heureusement pour les Red Devils, ça passe juste au-dessus. André Onana a failli toucher ce ballon. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que United est en train de subir. Allez les gars, n'hésitez pas à vous abonner en tout cas. Ça nous ferait grandement plaisir. Et la touche obtenue par Aaron Van Bissaka. Eric Ten Hag à l'image. Qui, malgré les résultats contrastés de son équipe, est toujours sur le banc. Allez, la longue touche d'Aaron Van Bissaka. Mais ce sera finalement un ballon récupéré par Dominique Choboslai. Virgil van Dijk. Azendo. Avec Vansa. Kayumin Keller. Van Dijk. C'est bien fait. La part de Virgil van Dijk qui va écarter sur le côté gauche maintenant avec Robertson. Le jeu en triangle est parfait. Robertson qui a des espaces. Qu'est-ce que c'est bien joué ça. Le contrôle un peu manqué de Choboslai. Et derrière la volée. La volée de Mohamed Salah. Il y avait un défenseur des Red Devils qui était passé au travers. Et là on voit un Jurgen Klopp un peu frustré forcément. Parce que c'était parti vite, très vite encore une fois. Ça manque d'efficacité. C'est Maguire qui passe au travers et Mohamed Salah qui malheureusement voit son corps partir en arrière et surtout ça frappe dans les nuages. Regardez la frustration de Jurgen Klopp qui rit jaune hein, parce qu'il sait aussi que lors du dernier match en FA Cup, c'était la même chanson. Allez, long dégagement d'André Onana, c'est manqué. Liverpool est proche du 2-0 quand United est très loin du 1 partout puisqu'il n'y a toujours aucun tir pour les Red Devils. Il y en a 12 pour Liverpool après 36 minutes. C'est fou. Zéro tir pour United. Aucune occasion à se mettre sous la dent pour Højlund, Rashford, Garnacho, Fernandez, le quatuor offensif. Et on subit les vagues. On subit les vagues de Liverpool. Avec Connor Bradley qui va effectuer cette touche. Et pourquoi pas le jeu de corps là de Luis Diaz qui subit la densité physique de Maguire. La relance est très moyenne derrière. Mais Kobbie Mainoo, qu'est-ce qu'il est fort ce garçon. Et attention derrière avec cette contre-attaque. Marcus Rashford qui va malheureusement concéder la touche. Cette conduite de balle était moyenne. Malheureusement pour lui, ça ne passe pas. Allez, Alexis McAllister avec Virgil van Dijk. On ressort tranquillement le ballon. Et on repart maintenant avec Vansa. On gère côté Liverpool. En fait, Liverpool est très clairement en train de dicter son rythme, dicter sa loi, dicter son tempo. Ça attaque quand on veut. Ça défend solidement. Kayumin Keller.
Le long ballon de Keller. Attention à cette relance moyenne. Et on voit pour le moment, après 31 journées, Liverpool possède 73 points. Arsenal possède 71 points. Et City en possède 70. Mais bon, ça, tout ça, c'est assez éphémère. Ça, on le sait. Dommage, là, ce long ballon vers Connor Bradley. Parce que voilà, c'est éphémère dans le sens où forcément cette rencontre elle n'est pas terminée. 38e minute de jeu, en tout cas c'est provisoire, c'était pas le bon mot, c'est provisoire. Voilà, après ce qui est quand même important à voir, c'est qu'après 31 journées il y a 25 points d'écart entre Liverpool et United, et j'ai l'impression que c'est toujours la même chanson côté United. Je pense qu'il y a une lueur d'espoir, de titre à chaque fois, on a envie d'y croire, mais voilà, on a envie de revivre les années Ferguson côté United. On est très très loin, très très loin. Bien joué la part de McAllister. Encore une fois, Kwanzaa avec Virgil van Dijk. On ressort tranquillement le ballon. On gère le tempo, comme je le dis, comme je le répète. Kayumin Keller avec Azaendo. Il n'y a pas vraiment de pressing là côté United. Il faut organiser tout ça. Pourquoi pas ce long ballon, comme voilà, qui reprend et derrière le dégagement totalement dévissé. Là, la part d'Harry Maguire, la tête de Maguire avec Luis Diaz qui va récupérer ce ballon. Robertson qui n'hésite pas à avancer et ressortir avec Azaendo. Virgil van Dijk. Kwanzaa qui dribble devant la paire d'attaquants de Manchester United, mais on s'en sort très très bien. Luis Diaz qui a été repris par Willy Kambuala. On aurait pu siffler un excès d'engagement là, parce que Luis Diaz il reste au sol. Est-ce qu'on va mettre ce ballon en touche? Non, pour le moment on continue de jouer côté United avec Casemiro, mais finalement Monsieur Taylor va décider de revenir, non pas à la faute, mais en tout cas il va s'enquérir l'état de santé de Luis Diaz, qui a ouvert le score, on le rappelle, tout à l'heure. Un but magnifique sur coup pied arrêté. Comment ça aurait pu siffler? En tout cas, il est resté au sol, là, Luis Diaz. Ça aurait pu siffler, mais bon. En tout cas, monsieur l'arbitre, on a décidé ainsi. On revoit bien évidemment l'ouverture du score de cette équipe de Liverpool. Au second poteau, il a été oublié, et au second poteau, il est venu ouvrir le score, Luis Diaz. En tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 300% Sport, ça nous ferait grandement plaisir. Et bon, si ça vous plaît de ouf, n'hésitez pas à faire des petits dons, ça peut être vraiment super. Nous, ça nous ferait kiffer, hein, mais bon, après voilà, pas du tout obligé. Tant que vous êtes là, nous, ça nous fait plaisir. Si vous voulez nous soutenir, un petit don n'est pas de refus. Le message est passé. Allez, Harry Maguire qui ressort le ballon avec Willy Kambuala. On attend du soutien. Il n'y en a pas beaucoup. Et on est obligé de revenir en arrière là avec André Onana, Diogo Dalot. Willy Kambuala, Diogo Dalot. Et ça tourne, mais ça n'avance pas très vite. Et à chaque fois, on se précipite un peu. Là, c'est un nouveau ballon dans les gants de Kayumin Keller. Un nouveau ballon dans la profondeur qui est trop long, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut essayer de s'appliquer. Azaendo, c'est bien fait, ça. Ce long ballon, Rashford qui va défendre, mais qui est pris par Connor Bradley. Bradley, le petit ballon, Luis Diaz. Oh, la frappe de Luis Diaz, qu'est-ce que c'était bien fait de la part de Darwin Núñez. L'intelligence, la clairvoyance de l'Uruguayen. Et quel dommage, là, on a bien vu que Rashford n'était pas en latéral. Et derrière, heureusement que Diogo Dalot est là, hein, pour contrer ce ballon. Il était en train de glisser, il s'est relevé et il a sauvé André Onana, qui avait plongé au cas où. Mais en tout cas, c'était une nouvelle magnifique situation pour Liverpool. 7e corner déjà, et on rappelle que les 3 premiers corners dans cette rencontre, ils étaient pour United. Depuis, il n'y a plus rien pour les hommes d'Eric Ten Hag. Il s'est bien frappé au premier poteau, mais ça a été repris
parfaitement par Marcus Rashford. McAllister avec Robertson. Le renversement de jeu, ça a un peu manqué ça malheureusement. Et derrière on repart côté Red Devils avec Bruno Fernandes. Et encore une fois de la précipitation. C'est assez dingue ce nombre de ballons perdus là. C'est quand même assez fou. Autant de ballons comme ça. Allez, Robertson. Avec Azendo. McAllister. Bien joué ça. La part de Connor Bradley qui est venu se recentrer. Et derrière c'est Kwanzaa qui va avancer. Oh c'est magnifique la part de Connor Bradley qui va servir son joyau. Mohamed Salah, le centre. Oh le centre il était un poil trop long pour Núñez. Mais je suis sûr que si l'Uruguayen s'était jeté de l'infortuné, bah ça aurait pu faire la différence. Oh, magnifique, McAllister. Mais quel joueur. Moi, c'est mon coup de cœur de la saison, hein, côté Liverpool, avec Luis Diaz, peut-être pour continuer. Dommage, là, la perte de balle, et attention, peut-être la contre-attaque pour les Red Devils, mais on n'arrive toujours pas à être précis dans les 30 derniers mètres, dans le camp adverse, pourquoi pas, ce long ballon, le Connor Bradley, avec Mohamed Salah, face à Harry Maguire. Est-ce qu'il y aura une faute de Maguire? Il y aura une touche concédée. Il a été solide, Harry Maguire. À chaque fois, il y a du monde. Après, ça repart. Azendo avec Virgil van Dijk. Kwanzaa. Azendo. Allez, on repart avec Ayumin Keller. Le long ballon de Van Dijk, peut-être dans la profondeur. Avec Connor Bradley qui a été repris par Aaron Van Bissaka. Marcus Rashford. Ouais, quel retour. Encore une fois, en l'occurrence ici, c'est Szoboszlai. Et pourquoi pas une contre-attaque maintenant avec Darwin Núñez qui a dézoné et qui va utiliser quand même sa vitesse. Núñez avec Robertson. Quel ballon! Oh le 1-2 entre les deux hommes. Il y avait une position de hors-jeu il me semble. Mais qu'est-ce que c'était bien fait encore une fois. Qu'est-ce que c'est fin et malin. Petit 1-2, ouais, il est en position de hors-jeu. Sinon on ne pouvait pas reprendre ce ballon. Et sinon c'était une parade d'André Onana. Ce ne sera pas un corner donc ce sera un hors-jeu. Qu'est-ce que c'était bien fait. Pour le moment il n'y a pas photo entre les deux équipes. Hein. Il y a 1-0. Parce que Liverpool n'est pas encore hyper efficace. Pour le moment, Manchester United n'a rien. N'a rien du tout. Alors qu'en FA Cup, ils avaient quand même réalisé une très bonne première période. Hein. Mais là, on est à 14 tirs, 4 cadrés pour Liverpool. 0 tir, 0 cadré pour Manchester United. Alors qu'on est rentré dans le temps additionnel. Allez, Kayumin Keller pour dégager au loin ce ballon. Le long ballon, Diogo Dalo. Pour reprendre. Oh, il a perdu le ballon au profit de Luis Diaz. Le ballon était moyen derrière. C'est pas terminé le jeu en triangle avec Szoboszlai. Le petit ballon pour Bradley. Oh quel dommage. Oh ils sont peut-être trop gentils sur cette action. Les Reds de Liverpool. Szoboszlai a été altruiste. Parce qu'il s'était mis en position de frappe. Pour volleyer ce ballon. Il aurait pu faire très mal. Et derrière ce ballon, est-ce qu'il n'est pas un poil trop court pour Bradley? S'il n'est pas un peu plus appuyé, on va dire, de la part de Szoboszlai, il y a peut-être une frappe du droit, c'est-à-dire de son bon pied adressé. Là, du coup, il a dû frapper du gauche. Ils auraient pu mieux jouer ce coup, les Reds. Mais ce sera quand même un corner très mal frappé de la part d'Andrew Robertson. Et on va certainement en rester là du côté de Monsieur Taylor. Les coups de sifflet, c'est la pause. C'est la position ultra fort d'un but à zéro pour cette équipe de Liverpool qui, très logiquement, mène au score. C'était le 15e tir de cette rencontre pour Liverpool. Il y en a tout simplement zéro pour cette équipe de United. Et en tout cas, il n'y a que 1-0, donc le suspense est entier
encore ici à Old Trafford. Je vous laisse à la pause le match entre Monaco et Rennes et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette. De l'envie chez les Monégasques, même si Singo va être convoqué par Stéphanie Frappard. Pour les Rennais, ça va être d'essayer de trouver rapidement cette première passe qui casse la première ligne. On revoit l'arrêt exceptionnel. Le ballon, il revient sur Ben Yedder qui n'arrive pas à ajuster sa tête. Il en a mis des plus durs, Ben Yedder, dans sa carrière. Parce que finalement, j'ai pas l'impression qu'il revienne si rapidement que ça. Parce que Ben Yedder, malgré sa petite taille, ça reste un très très bon joueur de tête, surtout lorsqu'il faut marquer. Confirmation que le début de match est monégasque, Sydney. Réaction avec Seydou. Seydou, la passe vers Kalimwendo. Et lui à faire, je pense. Une bonne lecture de Thilo Kehrer. Golovin. Minamino. Poussé par Théâtre. Ils essaient de faire pareil, les Rennais. Ils essaient de récupérer le ballon très très rapidement, mais les Monégasques ont fait plus de réussite. Nouvelle accélération de Youssouf Fofana. Fofana pour Ben Yedder. Ben Yedder qui a voulu donner à Kliouche sur la droite. C'est superbe. Hein. Vous avez vu, c'est Truffert qui est obligé de désertir son côté gauche. Et voilà, Rennes à l'attaque maintenant. Kalimwendo et à grandes enjambées. Guiri arrive de l'autre côté. Guiri et finalement Majewski qui intervient. Ah, c'est un match placé sous le signe de l'attaque. Vous l'avez annoncé avant le match. Voilà ce que ça fait à les Rennes. C'est ce genre de situation. Partir en contre avec leur trois offensifs. Là, c'est Kalimwendo qui s'est retrouvé côté droit. Il y aura deux belles situations, hein, des deux côtés. C'est... Wow. Si on revoit celle d'avant de l'AS Monaco, je trouve que Ben Yedder. Fofana a mal joué le jeu. Ah. Le coup. Il doit continuer balle au pied. C'était totalement ouvert à l'opposé. C'est Van Der Sol qui avait pris le couloir. Kehrer. Singo. Change complètement de côté avec Jacobs. Ouais, il y a un joueur disponible et c'est très bien vu pour servir Jacobs. Lui rate terre, Théâtre sur la trajectoire. C'est là où il faut aller vite du côté René. Très très vite vers l'avant. Sinon ils vont se mettre en difficulté. Doué, oui, mais on mise sur la technique de ce jeune joueur. Kalimwendo. Bourigeau. Pour Martin Terrier. Avec le soutien de Truffert. Truffert avec son pied gauche. À nouveau Terrier. Ouais, c'est trop tard pour centrer. Arrive à trouver quand même Désiré Doué. Seydou. Doué, c'est bon. Hein. C'est puissant, c'est technique. Et un rôle un peu plus bas, mais très à l'aise. Technique. Voilà, il suffit de dire ça. Ouais, ça passe. On le savait. Ça. Allez, il se rattrape ensuite. Mais Doué, c'est vrai, vous avez raison. Hein, baladé très souvent à plusieurs postes. Désiré Doué, lui qui préfère évidemment être numéro 10. Je pense qu'il a d'énormes qualités pour jouer certainement un peu plus bas comme il est aujourd'hui, avoir plus le jeu face à lui. Alors Julien Stéphane le voit plutôt milieu axial relayeur. Je confirme. Non, vous préférez aussi le voir. Oui, je préfère qu'il ait le jeu devant lui. Quand on joue numéro 10, il faut avoir des déplacements, très petits déplacements dans des espaces très réduits, avec souvent un défenseur derrière vous. Alors que là, un peu plus bas, avec la vision du jeu qu'il a, sa technique, sa conduite de balle, ce sera pour moi plus intéressant. Joueur né en 2005, hein, Désiré Doué. Et promis un bel avenir. Là aussi, on se demande s'il restera à Rennes l'an prochain. Le voilà, Désiré Doué. La passe pour Guiri. Guiri qui avait réussi quand même à passer le ballon au-dessus de Majewski. Ah, il manquait Kalimwendo qui avait fait un épaule de... Le contrôle de trop. Et Ben Yedder finalement sanctionné. Pas l'air d'accord du tout. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Ou parce que pour moi, il n'y a absolument pas faute. Alors je ne veux pas me prononcer tout de suite, on va quand même attendre le ralenti, mais moi je... À vitesse réelle, on a senti de la prudence, hein, de la part de vous. Oui, non, il sent pas Ben Yedder arriver, non, pour moi il n'y a pas faute. Pour moi, encore une fois, il n'y a pas faute, même si Ben Yedder tape un peu le pied, mais bon, c'est... Il faut qu'il y ait quelques contacts quand même. Je trouve que c'est généreux pour les Rennais. Seydou, Doué, Guiri. Et le centre dégagé avec cette reprise sur la barre.
Festival d'occasion dans ce début de match. Martin Terrier espérait retrouver l'efficacité. C'était cadré. Et le talent du gardien polonais Majewski. Ah, quel arrêt encore une fois. Il a repris le Terrier. Voilà la spontanéité dans ce phase de réparation. Il arrive à pivoter, se mettre sur son pied droit. Et derrière l'arrêt encore une fois. Est magnifique. Davis ballon sur la barre transversale. Deux grosses attaques, deux gros gardiens. Radek Majewski, qui est titulaire depuis la 23e journée, donc c'est tout récent, a pris la place de Philippe Kuhn. Bourigeau pour le corner. Bourigeau avec une tête monégasque. Et le ballon reste dans la surface de réparation. Succession de têtes et finalement Majewski peut intervenir. Il y avait un contre, il aurait pu le jouer là-bas. Oh, quel arrêt encore. Ah, l'arrêt est magnifique. Hein. Ce moment-là était magnifique et celui-ci aussi. Ah, il y a la main ferme pour dévier ce ballon sur la barre transversale. Fofana, là, pour qui? Ah, il a raté sa transversale. Ouais, il s'en veut. C'est Vanderson de l'autre côté. Il a complètement raté son geste. Christopher Wu. Ah oui, la profondeur, elle est importante. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut de passer René. Bien sûr. Éviter de trouver trop de joueurs dos au jeu. Je redis, c'est pas forcément leur qualité. Pas de but, messieurs, mais 5 arrêts en 19 minutes. C'est pas mal. Kerrer. Majewski. Son temps devant lui, Guiri. Voilà, Majewski cherche encore Jacobs à la lutte avec Seydou. La déviation destinée à Ben Yedder. Théat, Doué touche beaucoup de ballons et les oriente bien habituellement. Là, Guiri était en difficulté. Akliouche, Vanderson. Akliouche, le revoilà. Akliouche avec Minamino. Kerrer, Jacobs, Bourigeau, Kalimuendo est passé. Kalimuendo encore. Guiri, l'arrivée de Truffert. Guiri peut-être, il a le temps, il peut frapper. Majewski, et l'arrivée encore le gardien monégasque. Je sais pas si vous allez commenter un but ce soir. Alors, des actions, il y en a, des grosses occasions, mais des buts avec deux gardiens comme ça. Ah, il a fait le grand écart. Hein. Ah, il a été à chercher. Même la première, hein, celle de Guiri, elle n'est pas évidente avec ce petit rebond devant lui. On reverra évidemment cette double occasion pour Rennes. Bourigeau. Ah, ça va mieux pour les Rennais. Hein. Depuis quelques minutes, ça va bien mieux. Ils ont un début de match très compliqué. Là, on les voit se procurer de très belles occasions. Ah, ils évitent un peu le pressing depuis tout à l'heure. Les Monégas font moins le pressing. Donc ça permet aux Rennais aussi de mieux construire leurs actions. Parce qu'il y avait vraiment un gros pressing des Monégas en début de match. Il y a des chances que Majewski batte son record d'arrêt qui date du match contre Lens récemment. 8 arrêts. Total que Philippe Kuhn n'a jamais atteint. Bah lui, voilà, on en est à 5 arrêts en 20 minutes. Et un blessé. En revanche pour Seydou. Ça semble terminé. Ouais. Non, il a pris un coup. Je pense que c'est un coup à la cheville. C'est un coup, c'est un coup. Alors, un coup sur le tibia. Un coup sur le tibia. Oui, à un moment donné, il y a eu un ballon entre deux. Il a été au contact sur la récupération de balle avant l'occasion rennaise de Guiri. Alidou Saïdou qui est arrivé cet hiver de Clermont et qu'on voit latéral droit, parfois à gauche également. Et parfois en défense centrale, alors quand on voit le double arrêt. C'est bien joué de la part de Guiri qui profite de l'appel de son latéral sur le côté pour se réaxer et frapper. Mais l'arrêt de. C'est-à-dire sur la première frappe, elle n'est pas évidente avec ce petit rebond avant. Il se relève très très vite. Et Bourigeau qui arrive mettre ce petit pointu. C'est quoi le plus dur à réaliser? Quand il se couche de la main ou... Je ne suis pas gardien, mais j'aurais tendance à dire certainement la première pour moi. Ah. Elle est peut-être moins spectaculaire, mais je trouve que c'est un arrêt qui est pour moi plus compliqué. Il faut gérer ce petit rebond. C'est
C'est reparti pour Alidou Seydou, qui a repris sa place donc dans son couloir droit. Alors que Bourigeaud, lui, revient au cœur du jeu. Ouais, il en avait marre de rester à droite. Et de pas... Mais c'est vrai, ça pêche un peu à gauche. Là, Théâtre. Ça va être long. Anderson, qui doit reculer pour effectuer cette remise en jeu. Anderson, le Brésilien, pour Akliouch. Ballon perdu. Kalimuendo. Contré par Akliouch. Truffert. Encore Truffert. C'est bien ce qu'il fait en Rennes. Oui, Terrier, c'est très cohérent. Avec un peu de réussite. Saïdou. Allez, retour de Golovin. Impressionnant, là aussi, c'est complètement jeté. Et c'est, ensuite, c'est un vrai 6, Golovin. C'est ça. Il se découvre un nouveau positionnement. Mandanda. Ah, c'est un peu comme Doué, hein. C'est des joueurs qui sont très bons techniquement. Donc forcément, quand ils ont le jeu face à eux, c'est beaucoup plus facile. Allez, Doué à une touche de balle. Sortie de Mandanda. Bourigeaud qui rate son contrôle. Minamino tout de suite pour Jacobs. Jacobs, le centre en retrait. La superbe d'Akliouch. Il place son ballon au ras du Porto. Hors de portée de Stéphane Mandanda. Ce jeune dont on parle tant en ce moment. Bourré de talent. 7e but cette saison. Magnès Akliouch. Le centre en retrait est magnifique. Hein. Sans regarder, Akliouch qui lui vient de côté opposé. Et la différence, il rentre réellement dans son ballon pour le maîtriser. Son geste technique est parfait sur le plat du pied, croisé. Et ça vient suite à une perte de balle de Bourigeaud. Je crois qu'il va s'en vouloir un petit peu. J'ai vu taper sur le sol. Voilà, là. Dos au jeu, il perd ce ballon et derrière, ça s'enchaîne. Minamino qui trouve la profondeur. Et là, regardez, sans regarder en retrait. Après, Akliouch qui arrive lancé. Minamino qui trouve bien Jacob dans la profondeur. Ballon en retrait à Akliouch. Ah, le ballon est parfait. Le ballon ne rebondit pas. Bourigeaud en colère après lui-même. Mais... Ah oui, il est en colère après lui-même, ouais. Parce que c'est lui qui perd ce ballon. Mais encore une fois, il y a aussi celui qui lui fait la passe. Il y a des zones de terrain où il faut éviter de trouver un joueur dos au jeu avec un joueur qui est derrière lui, qui est en train de le suivre. C'est Bourigeaud aurait peut-être pu mieux faire. Et la lucidité du joueur qui lui a donné le ballon, c'est aussi de temps en temps de ne pas la donner. Exactement. Buteur le week-end dernier à Akliouch, il récidive ce week-end. But précieux évidemment, tellement important pour les Monégasques au moment, Sydney, où on disait que c'était Rennes qui nous faisait la meilleure impression. Exactement, les Rennais étaient au moins un petit peu mieux sur le terrain. Guiri. Faute. Et à cet instant, Monaco retrouve le podium. À un point de Brest qui s'est imposé contre Metz cet après-midi. Et donc Monaco repasse devant Lille. Belle course pour la Ligue des Champions. Et Monaco peut-être enfin préparé à signer son premier succès à domicile en 2024. Mais on a vu, au vu de cette première demi-heure, il y a tellement d'occasions. Il peut se passer beaucoup de choses encore. Encore Akliouch sollicité. Zakaria Majewski. Au PSG, ce documentaire, puis le CFC à 19h10. Liverpool est de nouveau leader de Premier League. On a annoncé des pièges pour les trois, pour City, pour Arsenal, pour Liverpool. Le match n'est pas fini et pour l'instant, ils s'en sortent. Robert, ce ne sera peut-être pas pour aujourd'hui, pour les Gunners. Attendez, il reste 8 ans. On a envie, disons que, oui, on a envie qu'il se passe quelque chose. Quand oui, même, non, mais il va se passer quelque chose. Il y a toujours un peu de magie à Old Trafford. C'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu espères. Non, mais c'est le passé qui dit ça. Tu le sais, il se passe toujours quelque chose là-bas. Après, c'est sûr que s'ils nous refont la même mi-temps, bon, il ne va rien se passer. Mais... faut leur faire confiance. Ils avaient réussi à enflammer ce fameux match de Cup dont on parlait il y a quelques semaines où ils avaient gagné 4-3 en prolongation. Pas de prolongation. Sauf que là, ils perdent 1-0, il y aura des espaces. Ouais.
J'ai peur pour cette équipe de... François Marchal, Jean-Luc Caribar est le souriant et serein pour l'instant Florent Sinama Pongol, pour qui tout se passe bien. Il est à Old Trafford. Il est... ouais. C'est l'homme à tout faire. Hein. C'est reparti Liverpool, leader en patron François. Et Liverpool va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Pas de changement à la mi-temps. Et de retour ici donc à Old Trafford pour cette seconde période entre Manchester United et Liverpool. C'est parti, coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Liverpool pour le moment fait le taf ici à Old Trafford. La première volée de la part de Darwin Núñez, ça c'est pour gonfler encore et toujours le compteur tir. C'est déjà le 16e de cette rencontre pour Liverpool. Toujours 0 pour Manchester United. 5 minutes de jeu. Allez, le long ballon d'André Onana directement en touche, malheureusement pour le moment ça ne va pas pour Manchester United qui a effectué pourtant un bon début de match avec 3 corners d'entrée. Et attention à ce ballon, Maguire qui va finalement dégager. Mohamed Salah avait été parfaitement servi dans la profondeur. Très bon retour de la part d'Aaron Van Bissaka. Et derrière, cette tête de remise de la part d'Alexis McAllister qui va ressortir maintenant avec Kayomin Keller. La petite déviation de la part de Robertson. Quel contrôle de la part de McAllister pour se mettre dans le sens du jeu. McAllister, le crochet. McAllister pour renverser le jeu. Il a un peu tardé. Mais comme par hasard, il ne perd même pas le ballon. C'est bien fait ça aussi. Le petit 1-2 peut-être avec Szoboszlai. Bradley qui a sauvé ce ballon mais qui était en position de hors-jeu. Donc on va revenir justement à cette position de hors-jeu en faveur donc, de Manchester United. Qu'est-ce qu'il est fort McAllister, vraiment. Je suis en train de tomber sous le charme de ce joueur qui avait commencé à exploser à la Coupe du Monde, mais qui cette saison est totalement en train de confirmer. C'est la saison de la confirmation pour Alexis McAllister. Je pensais pas que ça allait être une telle plus-value pour Liverpool. Mais vraiment, techniquement, c'est très très fort. On se souvient forcément du trio à l'époque, en 2019, 2020, enfin... 2018, 2019 et tout, même 2020 parce que c'est l'année du titre, où il y avait du Anderson, du Fabinho, du Thiago Alcantara, mais des joueurs aussi techniques que McAllister. Je pense qu'il n'y a que Thiago Alcantara qui est au niveau de McAllister, hein. C'est du très très haut niveau. Et attention à la contre-attaque maintenant avec Darwin Núñez. Núñez, est-ce qu'il va lancer Andrew Robertson? Oh, quel ballon de la part de Darwin Núñez pour Robertson, le centre second poteau. Núñez et le sauvetage sur la ligne de la part de McAllister. C'est pas terminé peut-être, mais quel retour de Maguire qui se vient à United à deux reprises. Et attention à la contre-attaque maintenant, avec Marcus Rashford qui va tenter de déposer Connor Bradley. Rashford, c'est bien fait Rashford, mais qui a été parfaitement repris par l'insatiable Kwanza. Jared Kwanza, j'ai plus son petit prénom. Qu'est-ce qu'il est fort lui aussi quand ça. Et on repart sur des contre-attaques avec Mohamed Salah qui est lancé. Oh, Mohamed Salah qui a voulu trouver Darwin Núñez. C'était un superbe ballon de la part de Mohamed Salah. Le temps pour moi de regarder le prénom de Kwanza. Jarrell Kwanza, bien sûr. L'anglais. Qui a peut-être postulé à une place de titulaire prochainement. C'est pas impossible. Ouverture du score de Wolfsburg face à Mönchengladbach. On va noter ça de suite. Allez, phase de possession placée pour Manchester United qui n'arrive toujours pas à égaliser. Mais on en est très loin, qui n'arrive toujours même pas à simplement effectuer un tir dans les cages de Kayomin Keller qui est pour le moment... Une après-midi tranquille, le petit pont de McAllister avec maintenant de Luis Diaz, le petit crochet. Il a voulu trouver au second poteau Mohamed Salah, mais qu'est-ce qu'il est fort McAllister. Et c'est encore lui qui va être au centre de l'attention. Et c'est ça aussi, hein, la présence d'Azendo qui lui permet d'être un peu plus libre offensivement, de se projeter un peu plus. Parce que voilà, McAllister, il est capable d'évoluer en 6 ou en 8, mais quand il est en 8, forcément il a un peu plus d'espace, de liberté surtout offensive. Jarrell Kwanza
qui va ressortir avec Van Dijk, la paire de balles, le lob qui va finir au fond des filets. Bruno Fernandes, le premier tir avant le premier but, et c'est une efficacité sans nom. Manchester United qui vient égaliser sur cette erreur de Kwanza, et le lob énorme de Bruno Fernandes. Avec l'effet d'optique, j'ai cru que ce ballon ne finissait pas dedans, et finalement Bruno Fernandes qui vient égaliser. La spontanéité et l'égalisation à Manchester United, un but partout, le lob du milieu de terrain de Bruno Fernandes, incroyable. Oh, la perte de balle de Kwanza, énorme, et derrière bien sûr qu'il a raison de tenter sa chance, mais le but est totalement libre. C'est une erreur impardonnable de Jarrell Kwanza, qui effectuait pourtant un match solide jusqu'ici. Et c'est peut-être une erreur qui va rentrer aussi dans la légende de Liverpool, la légende néfaste, des mauvais souvenirs tout simplement. On pense à la glissade de Steven Gerrard. Est-ce que la passe de Kwanza ne va pas rentrer dans les mauvais souvenirs de Liverpool? En tout cas, on revit ce but dans les conditions du direct. Ce que fait Liverpool, ce que propose Liverpool est beaucoup plus consistant, structuré. Oh, pas ça! Bruno Fernandes du milieu de terrain! Bruno Fernandes pour un but légendaire! Fernandes profite de l'aubaine! Il réveille la fierté d'Old Trafford et de United! Incroyable erreur! Mais quel but de Fernandes! Un partout! Eh ouais, Bruno Fernandes reste un joueur au pied droit formidable, au coup d'œil. Mais il a fallu une erreur terrible, c'est presque la première, aussi énorme là, de Kwanza dans sa transmission. Keller était très avancé. Et c'est un ballon de but, c'est terrible parce que c'est un ballon de but que lui donne Kwanza. Et évidemment, Bruno Fernandes, avec sa qualité technique, on a profité immédiatement. Bien joué Bruno Fernandes, mais ce 1 partout ne reflète pas du tout. Bien sûr que ça ne reflète pas du tout cette rencontre. On va dire la domination l'emprise que Liverpool avait dans cette rencontre n'a pas du tout été matérialisée au tableau d'affichage. Mais Liverpool ne va pas rendre les armes. Bien au contraire, on va essayer de repartir. Kambouala qui va dégager ce ballon. Oh là, le passe hyper risqué de Diogo Dalo. Et attention maintenant à la contre-attaque pour Kobbie Mainoo, qui va écarter sur le côté gauche avec Marcus Rashford. Rashford qui va essayer de se mettre en position de frappe. Casemiro avec Garnacho. Garnacho, c'est contré. Et c'est un deuxième tir pour United qui va permettre à cette équipe donc d'obtenir un corner. Ah, regardez ce qu'il suffit dans un match pour tout relancer. Et là, on part sur un scénario de dingue. Ça, c'est une évidence. Allez, Bruno Fernandes, pour s'occuper de ce coup de pied arrêté. Allez, c'est parti pour Bruno Fernandes. C'était bien frappé. Et Maguire qui était là au bon endroit au bon moment. Mais finalement, il n'a pas réussi à couper la trajectoire de ce ballon. Rashford! Oh la parade énorme de Kayomin Keller sur ce centre millimétré de Marcus Rashford. Ce ballon était passé devant tout le monde. Oh, Casemiro, qui manque de peu de reprendre la trajectoire de ce ballon. La parade de Keller et le dégagement derrière en corner. Liverpool en souffrance alors que Liverpool maîtrisait totalement cette rencontre. Incroyable match. Mais pourquoi pas. Diogo Dalo avec Alejandro Garnacho. Le décalage. Attention maintenant à la contre-attaque pour Liverpool avec Dominic Szoboszlai. Il est tout seul, Luis Diaz. Mohamed Salah pour Luis Diaz, Szoboszlai. Oh, incroyable le loupé de Darwin Núñez au second poteau. Mais quel match, quelle seconde période de folie ici à Old Trafford. Incroyable, la contre-attaque manquée. Avec Szoboszlai là, qui avait mené la contre-attaque, tel un numéro 10. Mohamed Salah qui met ce ballon à Diaz, mais pourquoi il va centrer
second poteau, on peut se poser la question. Après, le centre, il est bon. Le centre, il est bon. Luis Diaz, il n'arrive pas à finir. C'est dans l'autre sens. Ouais, Diogo Dalot qui met en corner. Ça a manqué de lucidité. Allez, Robertson, pour frapper ce corner. Ça passe pas le premier poteau, malheureusement. La déviation de Mossala. Connor Bradley qui remet la tête de Casemiro. Ça, c'est bien joué avec Kobbie Mainoo qui a été repris là par Alexis McAllister. Toujours aussi brillant. Szoboszlai. Szoboszlai. Oh, qui a voulu trouver dans la profondeur Mossala. C'était très bien joué. Encore une fois. Et Liverpool qui va essayer de réappuyer sur l'accélérateur. Le ballon touché par monsieur Anthony Taylor. Il est dégoûté. Il est dégoûté, Anthony Taylor. Et on repart sur une phase de possession placée pour Liverpool. Et je sens que là, c'est... on sent un Jurgen Klopp un peu énervé, hein, tout simplement. Jarrell Pansa. Avec Connor Bradley. Ça s'est bien fait, ça. Ça s'est bien fait, ça. Avec Connor Bradley. Bradley, faut centrer. Malheureusement, il va être à nouveau contré par Aaron Wan-Bissaka. Ce sera un nouveau corner quand même pour Liverpool. Qui malgré cette énorme erreur de Kansa qui a profité à Fernandez, on tente de revenir. Enfin, on tente en tout cas de reprendre l'avantage, tout simplement. Dixième corner déjà pour Liverpool. C'est parti. McAllister, c'était bien frappé. C'était Szoboszlai, pardon, qui avait frappé ce corner. Il aura droit à une seconde chance, le Hongrois. McAllister. Avec Robertson. Pourquoi pas Endo qui a un peu d'espace. Endo dans les petits espaces justement. Avec Luis Diaz pour Núñez. Núñez, la frappe de Núñez est contrée. Et encore une fois, c'est une défense mancunienne qui est plutôt solide. Ouais, c'est bien fait ça de la part de Connor Bradley qui avait dévié. Mais attention maintenant à la contre-attaque pour Manchester United. Très bon retour de Kwanzaa. Qui va essayer de se rattraper du mieux possible, on va dire. De la meilleure des façons. Parce que voilà, forcément, c'est une erreur qui fait tâche dans cette fin de saison, peut-être. Bien joué, Connor Bradley. Bradley pour Salah. Salah, c'est merveilleux. Mohamed Salah, la frappe derrière. Oh là là, on n'arrive pas à conclure, à tuer. La bête mancunienne. C'est dingue parce que vraiment, ils sont en position, quoi. À chaque fois, ils sont en position, les Reds de Liverpool, et ils n'arrivent pas à finir. C'est assez fou pour le souligner. Il va y avoir des stats effarantes. Un écart, je pense, énorme. Et pourtant, il y a toujours un but partout. C'est dingue. Est-ce que Liverpool ne serait pas, on va dire, la première équipe à lâcher des points, hein, dans cette course pour le titre? Suite à la dernière confrontation directe entre les trois gros, c'était bien évidemment la semaine dernière, City-Arsenal. Depuis, on peut le dire honnêtement, il y a eu une dernière ligne droite qui a été déclenchée, une course pour le titre. Oh, le dégagement là d'Aaron Wan-Bissaka, c'était bien compliqué, mais qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Diogo Dalot. Contrôle merveilleux, conduite de balle fantastique. Diogo Dalot, peut-être pour Bruno Fernandes, les deux Portugais qui ont réussi à se trouver. Jouer ça, le décalage sur la gauche, Marcus Rashford, le centre. Oh là là, en deux temps, Kayumin Keller qui a réussi à capter ce ballon. Et on repart sur une contre-attaque maintenant pour Liverpool. Le crochet de Luis Diaz, il y a des espaces. Le petit ballon de Luis Diaz pour Dominic Szoboszlai. Szoboszlai peut-être pour écarter sur le côté droit avec Connor Bradley, dans la surface de réparation. Bradley, le centre. Aïe, ça manque de lucidité tout ça. Bradley qui va faire son retour. Oh, énorme le retour de Bradley sur Harry Maguire. Szoboszlai qui attend du monde, le centre, au second poteau, c'est merveilleux, avec Núñez dans les petits espaces. Luis Diaz, très bon retour, et la faute là de McAllister, bien sûr, qui a été signalée sur Kobbie Mainoo. Il était un peu en retard là, Alexis McAllister. Mais quelle seconde période débridée, mais vraiment incroyable. Je suis en train de me régaler. Merci la Première Ligue. Et donc au classement, ça change, hein. Bien sûr, Liverpool n'est plus en tête. C'est Arsenal qui possède 71 points, comme Liverpool, mais une meilleure différence de buts. Et donc là, on serait à une course pour le titre.
avec trois équipes en un point, on repartirait sur le même scénario que la semaine dernière quasiment. Et Manchester United par contre qui serait quand même à 8 points des places européennes. Faudrait espérer gagner la Cup, hein, tout simplement. Ou alors, je pense que. Voilà, en tout cas, il faut réussir à garder cette 6ème place. Ils sont 7ème, je pense que ce sera compliqué d'aller en Coupe d'Europe. On verra ça, mais en tout cas, pour le moment, ils sont hors des places européennes. Ça, c'est sûr. Et donc, ce que je voulais voir, c'était un peu les stats de la seconde période. Il y a pas mal de tirs et pas mal d'occasions. Il y a quand même 18 tirs pour Liverpool au total. Hein. C'est complètement dingue. Oh là là, Connor Bradley, qu'est-ce qu'il a de coffre, ce garçon. Il enchaîne les sprints. C'est incroyable. Et Connor Bradley pour effectuer cette touche. Ah non, il a été. Oula, je sais pas ce qui s'est passé. Il a peut-être un peu trop avancé. Là en l'occurrence, Connor Bradley. Connor Bradley, main de l'heureusement, très bonne récupération, la part d'avant de Van Bissaka, c'est bien joué le jeu en triangle avec Casemiro, la petite paire de balles malheureusement, et attention à la contre-attaque avec Mossala, ah dommage là, Núñez qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon, mais finalement il se bat, oh il s'était battu, et derrière ce ballon qui est trop long là pour Mossala. Quel dommage. Et Van Bissaka. On repart sur une passe de une phase de possession placée, pardon. Diogo Dalot. Ouais, pourquoi pas. Kobbi Mainoo, qui est-ce qu'il va obtenir la faute? Non. Van Bissaka. Un peu d'espace pour Van Bissaka. Casemiro. Ah, c'est manqué encore une fois. La contre-attaque pour Liverpool avec Mossala. Mossala, le pharaon qui va retrouver Szoboszlai. Ouais, ça manque de lucidité là. Il y a des coups à faire et malheureusement Liverpool joue très mal ses coups. Rashford qui a été repris par Jarrell Kansa. Très bon retour du jeune joueur de 21 ans. Kobbi Mainoo. Casemiro. Le décalage sur la droite avec Alejandro Garnacho qui tente de centrer et de trouver Højlund pour le moment qui est assez fantomatique dans cette rencontre. Diogo Dalot très solide là dans son duel face à Luis Diaz. Le petit ballon de Diogo Dalot, la volée de Fernandez qui n'était même pas en position de hors-jeu. Quel dommage pour le Portugais. Et la contre-attaque maintenant avec Dominique Szoboszlai en meneur de jeu. Szoboszlai tout seul comme un grand. Qui va trouver Núñez, le centre au second poteau. Quel dommage. Très bon retour de la part de Harry Maguire. Avec Andrew Robertson derrière la frappe. Ce sera une touche. Et il a peut-être touché les bijoux de famille de Casemiro. C'est pas impossible parce que là, il s'est effondré. Ou alors, il a la respiration coupée. Mais en tout cas, Casemiro qui reste au sol. Il n'était pas en position de hors-jeu du tout. Hein. Bruno Fernandez, là, qui est parti dans le dos de Van Dijk. Heureusement, elle est dure à reprendre. Dure à reprendre ce ballon. Quelle occasion encore une fois. Dans cette seconde période, on vit du grand football. Alors que Rashford, je pense qu'il est. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est blessé. En tout cas, il regarde son banc. Robertson au duel avec Garnacho. Ce sera une nouvelle touche pour Liverpool. Près du poteau de corner. C'est Joe Gomez qui va faire son entrée là dans quelques instants. Avec Curtis Jones, il me semble. Ce sont les deux premiers changements pour Liverpool. Robertson, c'est dur. C'est dur pour Robertson. On essaye de ressortir dans les petits espaces. Le très bon retour de la part de Rasmus Højlund qui va obtenir le faute. Une faute, le Danois. Et Rashford qui se met au sol. La tendance, on l'avait lu, et malheureusement c'est une nouvelle blessure pour Marcus Rashford.
qui va céder sa place à Anthony dans quelques secondes. Je suis étonné quand même qu'il ne soit pas préparé un peu plus tôt, tout simplement. Parce qu'on a vu hein, Marcus Rashford faire des signes à son banc, ça n'allait pas du tout. Donc forcément, voilà, on pressentait le pire. Pour Marcus Rashford. Allez les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 300% Sport. Match bien évidemment hyper intéressant, Manchester United, Liverpool, mais bien sûr il y a une semaine de rêve les gars, une semaine de rêve, on va kiffer de ouf. Ligue des Champions, Ligue Europa Conférence, au programme mardi, Real Manchester City, Arsenal Bayern Munich, en duplex, bam, on a les deux matchs, on va commenter tout ça. Mercredi, PSG Barça, là c'est les clubs français. Là, c'est le cœur qui va parler. Gros match face au Barça. On espère qu'il y aura un monde de dingue. Puis, jeudi, nouveau duplex à 21h. Aston Villa contre le LOSC en Ligue Europa Conférence. Et Benfica Marseille. Donc, les gars, il y a du très très lourd à venir sur la chaîne 300% Sport. Allez, la sortie d'Anthony. L'entrée d'Anthony, pardon. La sortie de Marcus Rashford. Et donc, vous avez vu l'entrée de Joe Gomez. Peut-être aussi celle de Curtis Jones. Je sais pas si Curtis Jones est rentré tout de suite. Je suis pas sûr. Bah si j'ai l'impression qu'il est rentré. Mais c'est qui est sorti du coup? Ouais, c'est Szoboszlai hein. Ça aurait pu être Azaendo. Non, c'est bien Szoboszlai qui a cédé sa place. Là il a malheureusement multiplié les mauvais choix dans cette seconde période, et c'est ce qui lui coûte sa place à la 66e minute de jeu. Bon, le gros pressing là de Curtis Jones, il va falloir réveiller aussi hein, ce pressing. Le long ballon de Bruno Fernandes, allez Curtis Jones qui a tenté de retrouver Mossala. Casemiro, c'est bien fait ça, c'est bien fait avec Kobbie Mainoo qui va se mettre dans le sens du jeu. Kobbie Mainoo qui va écarter sur le côté gauche avec Alejandro Garnacho. Garnacho, c'est pas terminé. Van Bissaka dans les petits espaces. Ah, quel but! Quel but de Kobbie Mainoo! La pépite, encore une fois, qui s'est retournée et qui est venu marquer un but phénoménal dans ce derby. Liverpool crucifié. Liverpool subit à nouveau le sort d'Old Trafford. À nouveau inefficace. Et Kobbie Mainoo ravive la flamme d'Old Trafford, 2-1. Quel but de Kobbie Mainoo, merveilleux. Appelez-le pépite, appelez-le Golden Boy si vous voulez, parce que vraiment c'est phénoménal ce qu'il nous a fait, Kobbie Mainoo, merveilleux. Il s'est retourné d'une façon phénoménale alors qu'il y avait peu, très très peu d'espace. Liverpool est en train de craquer. Mais remarquablement joué pour Kobbie Mainoo. Mainoo, plein axe. Décalage pour Garnacho. Garnacho va frapper peut-être. L'arrivée de Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, Mainoo qui enchaîne. Un but extraordinaire de Kobbie Mainoo. Oh, dans ce genre de match, il faut ce genre de but. Et quand on marque ce genre de but dans ce genre de match, c'est qu'on est grand, très grand. Quelle frappe! Et voilà comment un match bascule. Voilà comment peut-être une saison bascule. Liverpool est mené 2-1. Ouais, Liverpool aurait pu faire le break bien plus tôt dans ce match, mais il est rejoint puis dépassé par Man United. Et par cette action au départ, Casemiro donne le ballon à Mainoo d'un retourné acrobatique, et derrière Mainoo va nous mettre un but historique, déjà un but pour l'histoire de ces matchs entre Mainoo. Quel but de Kobbie Mainoo, et les superlatifs ne sont pas trop grands pour ce but phénoménal de Kobbie Mainoo que vous pourrez revoir dès la fin du match en résumé bien sûr, parce que vraiment c'est un match de dingue, c'est un scénario tant redouté par les Reds de Liverpool. Et encore la FA Cup, on vous pouvait dire voilà, il y aura la première ligue derrière, on pourra se rattraper. Mais là ça fait deux fois le même scénario. Deux fois qu'ils sont renversés.
alors que Man United n'avait eu aucun tir durant cette première période. Mais là, c'est considérable ce qu'ils sont en train de faire. C'est un exploit incroyable. Harvey Elliott qui a fait son entrée. Harvey Elliott avec Cody Gakpo. Et c'est Núñez qui est sorti. Ouais, Núñez qui est sorti et Luis Diaz qui est passé au poste d'avant-centre. Allez, le long ballon encore une fois avec Harry Maguire qui récupère. Joe Gomez qui a récupéré derrière. Le décalage maintenant avec Andrew Robertson. Robertson avec Luis Diaz. Non, c'est Gakpo qui va évoluer en numéro 9. Bien sûr. Allez, Luis Diaz. Luis Diaz, duel avec Anthony. Luis Diaz qui est cerné, chassé par Anthony et qui va perdre peut-être ce ballon. Est-ce qu'il y aura une faute sur Højlund ? Oui. Et vraiment, c'est un petit peu sévère. Par contre, là, sur cette action... En tout cas, on vit des émotions, on vit un sacré match. Pas une main, pardon, j'ai regardé un petit truc. Mais en tout cas, non, je pensais qu'il y avait une petite main, mais finalement, c'est pas le cas. Allez, le pressing de Cody Gakpo. Oh, quelle sérénité, là. André Onana, le petit crochet. Alors, s'il le rate, c'est une nouvelle erreur énorme dans ce match. Et quand il le réussit, on ne peut que l'applaudir. Et là c'est United qui a la maîtrise. C'est Liverpool qui est totalement désorganisé. Le décalage sur la gauche avec Casemiro. Garnacho, pourquoi pas, Garnacho dans la surface de réparation, Garnacho qui va tenter sa chance et qui va obtenir un corner, c'est complètement dingue, le renversement de situation que Liverpool est en train de subir, c'est un premier tournant dans cette course pour le titre, cette équipe de Man U qui est tellement, je veux dire, aléatoire quoi. On sait que dans les matchs contre Manchester City, à chaque fois à domicile, ils passent complètement au travers. Par contre, quand c'est Liverpool, là, c'est plus la même. Ils ont fait 0-0 à Anfield quand ça allait pas du tout. Vraiment, ils ne veulent pas perdre ces derbys cette saison. Oh là là, la sortie de Kelleher, est-ce que ce serait un 6 mètres? Oui. On va essayer de jouer rapidement. Mohamed Salah qui disait à Sky Sport qu'on lui avait posé la question... Combien de points vous pouvez perdre jusqu'à la fin de la saison? Lui, il en a dit 0. Parce que voilà, si vous perdez des points, vous donnez un avantage à l'adversaire. Là, Liverpool est déjà en train de perdre des points. Bien sûr, c'est pas terminé pour la course pour le titre. Mais mentalement, ça peut faire très mal de perdre ici à Old Trafford. Faut au moins essayer d'accrocher un point. Sinon, ça peut faire très mal. Luis Diaz qui a été accroché par Willy Cambola, mais qui réalise un grand match, le français. Le long dégagement de Cambola. Jarel Kwanza. Avec Virgil van Dijk. Andrew Robertson. Kwanza. Elliott. Ouais, c'est bien fait ça. C'est bien fait, Harvey Elliott. Ah, McAllister, là, il a un peu tardé. Et attention à la contre-attaque maintenant. Rasmus Højlund qui est repris, qui attend, qui va écarter avec Garnacho. Garnacho! Et Kai Mikeller qui va récupérer ce ballon en deux temps. Il était un peu court, Garnacho, pour conclure. Mais on sent une équipe de Liverpool qui est perdue. C'est terrible. Terrible à dire. Mais là, c'est vraiment une seconde période catastrophique. Oh, le long ballon de Diogo Dalot qui... Enfin, vers Diogo Dalot, pardon. Et attention à ne pas en prendre un de plus parce qu'il pourrait filer à la troisième place, les Reds de Liverpool. Ce serait dur. Allez, le long ballon, Mossala, peut-être. Et derrière, il y aura une faute quand même. Alors déjà, ils avaient 3 points d'avance sur City. Bah, ils ont tout simplement perdu cette avance. Maintenant, ils ont même un point de retard sur Arsenal. Bref, c'est vraiment le scénario catastrophe. Alors que Cambola a pris un carton et que malheureusement, il n'y a plus personne sur ce live. Dommage. C'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui passent.
tout cas, ce tacle, ils l'ont célébré comme une victoire. Le tacle de Willy Kambola, les supporters de Man United. Fansa. Van Dijk. Mais attention à ne pas crier victoire trop vite. Hein. L'espoir pour Liverpool, c'est que Man United sort d'un match où ils ont pris deux buts au bout du temps additionnel. Menait 3-2 à la 98e et à la 101e minute, on va dire, ils perdaient 4-3. Donc forcément, tout reste possible. Maintenant, il faut essayer de remettre la machine en route le plus rapidement possible parce que on sent une équipe qui est malheureusement touché mentalement. Allez, pourquoi pas Curtis Jones, le petit ballon vers Harvey Elliott avec Cody Gakpo pour Elliott, mais encore une fois on se complique la tâche, encore une fois on n'arrive pas à être tueur dans la surface de réparation adverse. C'est dingue quand même côté Liverpool d'être aussi peu efficace, parce que si on regarde le nombre de tirs cadrés, bah, y en a peu. On a très peu. Je regarde juste le nombre de tirs cadrés. 21 tirs, 4 cadrés. Ça fait 17 tirs qui sont non cadrés. Alors que United, dans cette seconde période, ils ont cadré la moitié de leurs tirs. Bien joué la tête de Jarrell Kansa. Le long ballon derrière. Avec Alejandro Garnacho. Garnacho repris par Virgil van Dijk. Le petit dégagement. Le contrôle de Joe Gomez. Pour ressortir assez intelligemment le ballon et proprement. Il faut renverser, bien sûr. Le bon renversement de jeu de la part d'Harvey Elliott. Avec Andrew Robertson. Pourquoi pas Robertson. Bien joué ça avec Luis Diaz. Luis Diaz, l'appel de Robertson. Dans le dos de Diogo Dalo. Ah, c'est pas terminé. Luis Diaz, le centre au second poteau. Il y avait Harvey Elliott. La volée. Oh, la volée de Joe Gomez. Qui aurait pu marquer son premier but en carrière. Et finalement, ce ballon, il a été contré. Mais repris derrière par André Onana. Toujours 2-1 pour cette équipe de Manchester United. Allez, André Onana pour effectuer ce dégagement. La tête de la part de Jarrell Kansa qui s'était élevé plus haut que tout le monde et qui va obtenir cette faute. Joe Gomez. Avec Alexis McAllister. Ouais, c'est bien fait ça, le petit ballon dans l'intervalle avec Joe Gomez. Joe Gomez qui va percuter. Joe Gomez qui va centrer. Mo Salah, le jeu en triangle. Encore une fois, on se complique la tâche. On n'arrive pas à tirer. On n'arrive plus à tirer. McAllister. Avec Curtis Jones, le décalage. Robertson, la porte était ouverte. Il décale finalement avec Luis Diaz. Luis Diaz qui va essayer de centrer, mais qui est bien pris là par trois joueurs. Curtis Jones qui va venir l'aider. Luis Diaz qui sort de la surface de réparation. Est-ce qu'il va décider de centrer? Non, il y a une énorme densité défensive pour Manchester United. Joe Gomez avec Harvey Elliott. Le centre d'Elliott, il est bon, mais Kambola encore présent. Bien joué le contrôle là de la part d'Harvey Elliott qui va essayer de ressortir avec Virgil van Dijk. C'est fait. Curtis Jones. Ouais, c'est dur. McAllister qui est servi mais pas forcément dans le bon tempo. Du coup il est obligé de remiser en première intention avec Curtis Jones. Gakpo. Curtis Jones. Le décalage sur la droite avec Jarrell Kansa. Ça c'est bien fait avec Harvey Elliott, le petit jeu en triangle maintenant. Joe Gomez dans la profondeur, en 1 contre 1 face à Garnacho, le petit crochet, on ressort avec Harvey Elliott. Ouais, pourquoi pas, le centre il est bon, second poteau, ça a été repris par Luis Diaz, c'est pas terminé. Quel ballon avec Salah. Oh, qui vient louper l'immanquable sur ce ballon contré, détourné par André Onana. Quelle occasion pour Liverpool. Avec ce centre d'Harvey Elliott et derrière le bon petit ballon de Gomez, la frappe de Luis Diaz. Salah n'est pas hors jeu et il tente une frappe du droit qui passe nettement au-dessus des cages d'André Onana. Décidément, c'est une soirée cauchemardesque et l'entrée d'Amrabat pour cette équipe de Manchester United. Allez les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Je le remets encore une fois dans le chat.
n'y a pas grand monde, c'est pas grave, mais merci aux deux personnes qui sont là, c'est toujours ça. Merci à vous, ça fait plaisir. Même si je commande devant deux personnes, bah, moi je commente un beau match, donc à partir de ce moment-là, ça me fait plaisir. Et donc voilà, merci et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Allez, le long ballon, le long dégagement de la part d'André Onana. La tête de Virgil van Dijk. Oh, super, Virgil remporté la part Harry Maguire. Ah, il faut mettre de l'intensité là, côté Liverpool. Avec Joe Gomez, McAllister, ça c'est bien joué. Mo Salah, qui a un peu d'espace. McAllister, oh, il y a du monde à gauche. Aïe, Joe Gomez, ce ballon qui est... a fini dans le dos de Cody Gakpo. Ça c'est bien joué de la part de Kansa. Cody Gakpo, le décalage sur la gauche avec Luis Diaz, ballon un peu trop long, ça va ralentir cette action. Robertson, Curtis Jones avec Luis Diaz, on permute Luis Diaz. Voilà, il a été parfaitement repris par Anthony qui réclamait la touche. Très bonne défense du Brésilien. Alors certes ça va être un match très défensif pour lui, mais vu qu'il y a 2-1, je pense qu'il va pas rechigner. Ils veulent tous aller la chercher, cette victoire, dans ce derby d'Angleterre. Harvey Elliott. Jarrell Kansa. Le décalage sur la gauche avec Virgil van Dijk. Luis Diaz. Robertson. Il y a une faute peut-être là sur Robertson, la part d'Anthony. Monsieur Taylor a décidé de siffler. On repart sur une phase de possession placée avec Jarrell Kansa pour Harvey Elliott. Jouer le petit jeu en triangle avec Mo Salah, le décrochage c'est bien fait, et bien fait aussi de la part de Joe Gomez. Le centre, c'est pas terminé. Harvey Elliott, le petit 1-2, on va réclamer une main bien sûr, mais je pense qu'elle était collée au corps. Allez, Kansa, bien fait, qui essaye de se rattraper forcément. Allez, c'est bien fait, le petit 1-2 avec Harvey Elliott. Oh, le penalty, bien sûr, le penalty pour Liverpool avec Harvey Elliott qui a dominé. Aaron Van Bissaka, le retour manqué, et on revit juste cette action dans les conditions du direct, bien sûr. Oh, Salah qui remet vers Elliott, encore Casemiro. Non. Pas de main. Et Kwanzaa, bien joué. Oh, c'est bien fait ça. Kwanzaa, la talonnade. Elliott, Salah, le 1-2. Elliott, peut-être, penalty. Alors il touche le ballon. Erreur de Wan-Bissaka. Il touche quand même le ballon, à voir. Ouais, pourquoi il se jette quand même. 82e minute, très important contre Manchester City récemment. Mais le tireur attitré, c'est Salah, qui n'est pas en réussite aujourd'hui. Oh. Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est une bonne remarque. Je ne suis pas sûr que tous les supporters de Liverpool soient rassurés, parce que Mo Salah dans ce match... McAllister laisse ce ballon à Mo Salah, le meilleur buteur de l'histoire des derbies d'Angleterre. Mo Salah face à André Onana. Liverpool pour revenir peut-être à 2-0. C'est un penalty qui dispose d'un enjeu extraordinaire. Mo Salah qui vient de poser son ballon et qui va s'élancer dans quelques secondes. Mo Salah face à André Onana, le coup de sifflet de Monsieur Taylor. C'est parti pour Mo Salah qui vient marquer, qui vient égaliser. Liverpool revient à 2-0. Le contre-pied parfait de Mo Salah qui a certainement fait taire ses détracteurs, qui bien évidemment pensaient qu'il allait louper ce penalty parce qu'il n'était pas en réussite dernièrement. Mais Mo Salah est venu égaliser. 2-0. Quel match! Quel derby d'Angleterre! On se régale, les gars, je prends un kiff incroyable à commenter. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, dans ce match. Allez, on revit juste ce pénalty dans les conditions du direct. Face à André Onana, 84e minute. Et Mohamed Salah assure, il relance Liverpool, il ramène l'espoir dans les rangs des Reds. 2-0, les dernières minutes vont être folles. Bravo.
bien sûr que ces dernières minutes vont être folles. Et Liverpool repart déjà à l'assaut avec Andrew Robertson. Par contre, s'ils arrivent à le gagner ce match, dans les têtes, ça peut être hyper formateur, hyper fondateur. Enfin, en tout cas, ça peut amener quelque chose mentalement. Ça peut faire vraiment grand, grand bien. Kobbie Mainoo qui a cédé sa place à Mason Mount. Quelle fin de match, quelle fin de match les gars. Ici à Old Trafford, deux buts partout entre les Reds et les Red Devils. Oh, le bon ballon pour Robertson qui a de l'espace, qui a le temps pour centrer, qui a été contré au premier poteau par Kambouala. Curtis Jones. Ouais, attention à ne pas manquer de vigilance. Il a pris les informations, on lui a chippé le ballon, mais derrière, très bon travail. Sans ballon de la part d'Alexis McAllister dans la récupération. Cody Gakpo. Gakpo. Encore et toujours. Arsenal qui est donc rejoint par Liverpool en tête. Et qui reste devant à la différence de but. 71 points pour les deux équipes. Allez, le long dégagement de Kayumin Keller, la tête de Maguire, la déviation derrière de Diogo Dalot. Mais pardon, c'était McAllister qui était un poil trop petit là pour récupérer ce ballon. Oh, le long ballon vers Luis Diaz. Est-ce qu'il va prendre de vitesse Diogo Dalot? Luis Diaz qui va obtenir un corner, très bon tacle de la part de Diogo Dalot. Les deux hommes, moi, qui avec l'élan, malheureusement, ils sont allés dans le petit parterre, enfin, je sais pas si vous voyez, il y a un petit trou derrière le terrain. En fait, ça redescend, je pense que vous avez déjà vu ces images. En fait, il y a le terrain, ça redescend, et derrière, il y a les tribunes. Du coup, bah, si t'es lancé, c'est un peu dur de te relever. Mais bon, les deux hommes se sont relevés, 87e minute. Et peut-être une belle occasion pour Liverpool de reprendre l'avantage. Non, finalement, ce sera simplement un 6 mètres pour les Reds de Liverpool. Pour les Red Devils, pardon. C'est l'émotion, les gars, c'est l'émotion. Quel match de dingue. Kiff de ouf. Je peux vous dire qu'on va vivre autant d'émotions cette semaine, la semaine prochaine, avec la Ligue des Champions, la Ligue Europa Conférence. Oh, Maguire. Ah, Maguire, malheureusement, là, qui s'est un peu précipité et qui a perdu ce ballon. Harvey Elliott, peut-être pour effectuer ses touches. Non, il va finalement laisser ce ballon à Joe Gomez. Il faut du mouvement là, il faut du mouvement pour Liverpool. Pourquoi pas là, avec Luis Diaz qui est venu de très très loin, qui est totalement dézonné. Luis Diaz peut-être pour essayer d'obtenir un corner, mais quelle puissance physique chez Harry Maguire. Oh là là, le duel avec Luis Diaz, énorme. Énorme. On aime ça, les duels. Et ça s'est répondu par échange verbal. Kansa avec Virgil van Dijk. C'est bien fait ça avec Alexis McAllister. Bien joué ça aussi. McAllister, Rodrigo Gomez il était parti. Et on va ressortir du coup avec Mo Salah qui va perdre le ballon malheureusement. C'est pas terminé avec Harvey Elliott. Mo Salah qui, attention, va à nouveau perdre le ballon. Mo Salah et offrir une contre-attaque à cette équipe de Man United. Très bon retour de la part de Curtis Jones. Mais malheureusement, la faute de Curtis Jones sur Amrabat. Deux paires de balles consécutives pour Mo Salah. Hein. Ça fait beaucoup. Il aurait pu faire mieux. Quel dommage. Et derrière, ouais, Curtis Jones, il fait comme il peut, hein, j'ai envie de vous dire. Il fait comme il peut. Il essaye de rattraper la bourde de Mo Salah, qui a certes égalisé, hein, mais qui n'a pas réalisé un gros match, comme ont souligné les commentateurs de Canal. Le long ballon vers Harry Maguire, c'est pas terminé. Amrabat, Maguire qui dévie ce ballon. Et derrière, peut-être gros duel entre Mason Mount et Harvey Elliott. La contre-attaque avec Cody Gakpo pour Harvey Elliott. Le petit ballon pour Mo Salah qui a la balle de match. Mo Salah repris in extremis. Mo Salah, incroyable encore. L'occasion pour Liverpool, la situation. Et quel retour de Bruno Fernandes. C'est très fort ça, à la 90e minute, de revenir comme ça. Physiquement, mentalement, faut être fort.
Joe Gomez. On va rentrer dans le temps additionnel. Est-ce qu'on aura beaucoup de temps additionnel? Parce qu'il y a eu beaucoup de spectacles quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de spectacles. Je dirais 5-6 minutes quand même. Ce serait pas mal. Parce que là, ce serait vraiment des minutes de bonheur en plus. De souffrance quand même un peu pour Manchester United. Hein, qui voit plus le ballon depuis que... qu'ils ont marqué ce deuxième but. Ah, bien joué. Le long ballon de Luis Diaz. Le renversement de jeu. Harvey Elliott. Elliott Joe Gomez. C'est contré avec Gakpo. Oh là 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 là. Quelle situation encore. C'est pas terminé. On se dégage n'importe comment. Robertson. Le centre. Second poteau corner pour Liverpool. Quelle fin de match. Mais quelle fin de match. C'est vraiment d'une tension. Il y a vraiment une grosse tension. Il y aura 7 minutes, les gars. 7 minutes de temps additionnel. On va se régaler. On va se régaler. Allez, Robertson. Pour frapper ce corner. On rappelle qu'ils ont ouvert le score sur coup de pied arrêté. Les Reds de Liverpool. Vont-ils transformer le Fergie Time en Klopp Time? C'est parti. Pour Andrew Robertson. Au second poteau. Mo Salah, non, il y aura une faute. Il y aura une faute sur Harry Maguire qui est resté au sol. On rappelle encore une fois hein, que bah, j'imagine que vous l'avez suivi ce match entre Chelsea et United, que United a concédé 2 buts dans le temps additionnel la dernière fois. Donc forcément, mentalement, ils vont peut-être y repenser. C'est peut-être l'opportunité pour Liverpool d'y croire encore un peu plus. En tout cas, mentalement, il y a quelque chose à faire. Avec Fonsa, avec Mo Salah, le long ballon vers Cody Gakpo, le second ballon peut-être pour Mo Salah, bien joué la déviation de la part d'Harvey Elliott, et derrière Van Dijk en couverture qui est obligé de mettre directement ce ballon en touche. Oula, qu'est-ce qui se passe là pour Harry Maguire qui a mal à la main, apparemment je pense qu'il a dû se faire marcher dessus. Aaron Van Bissaka pour effectuer cette touche. On est très clairement en opération gain de temps là pour Manchester United. Bien joué le pressing de la part de Cody Gakpo. Ce sera une nouvelle touche pour Manchester United. Finalement, et Van Bissaka, allez quand même. C'est un peu long quoi. Bien fait ça de la part de Bruno Fernandes. Le crochet. Oh, très bon retour là de la part de Joe Gomez. Mais le second ballon était gagné par Van Bissaka avant que Cody Gakpo ne lance le contre-attaque. Oh, le gros tacle là de la part de Mason Mount. Carton jaune bien sûr. Il s'est sacrifié. Il s'est littéralement sacrifié. Pardon, Mason Mount. Qui a voulu arrêter cette contre-attaque d'une façon ou d'une autre. Allez, Joe Gomez. Bien joué ça pour Harvey Elliott. Elliott, le centre d'Elliott. Et derrière le long bas dégagement de Van Bissaka. Finalement, ce sera un second ballon récupéré par McAllister. Virgil van Dijk. Andrew Robertson. Van Dijk. Avec Curtis Jones. Robertson. Curtis Jones. Avec Jared Fonsa. Ça c'est bien fait ça de la part de Kansa avec Harvey Elliott. Harvey Elliott, le centre, au second poteau. Robertson, la remise. Oh, la reprise énorme de Luis Diaz qui avait jailli au point de péno et qui avait envoyé une reprise énorme. Et Anthony furieux, je crois qu'il a été un peu poussé par Robertson. Ça l'a frustré. Je pense qu'il a pris carton jaune pour contestation. La poussette elle est légère. Et derrière la reprise là. Oh, incroyable la reprise de Luis Diaz. Ouais, c'est une petite poussette. Honnêtement c'est une petite poussette. C'est une petite poussette, la remise de Robertson derrière. Et la volée de Luis Diaz qui passe au dessus. Mais quel dommage pour Liverpool dans une fin de match de dingue. Un carton jaune pour Anthony. Restera 3 minutes. Le ballon a déjà été rendu à Liverpool. On n'arrive plus du tout à tenir ce ballon côté Man United. Kwanzaa qui tente de renverser, je sais mon qui. Oh, le contrôle.
Oh, le contrôle en extension là de la part de Diogo Dalot. Et derrière, Mason Mount qui va servir Anthony, la porte est ouverte pour le Brésilien qui va servir Bruno Fernandes qui a voulu retrouver son coéquipier. Malheureusement, c'est manqué. Et on essaie de repartir en contre-attaque pour Liverpool. Robertson. Curtis Jones. Avec Virgil van Dijk. Le décalage sur la droite avec Kwanzaa. Harvey Elliott. Kwanzaa, on a du mal à retourner vers l'avant. On est obligé de ressortir maintenant avec Kayomin Keller. Allez, le long dégagement du portier irlandais. Encore le duel remporté là par Harry Maguire. Curtis Jones qui est repoussé. La faute obtenue par Curtis Jones. Van Dijk qui cherche des solutions. Il a Joe Gomez sur le flanc droit. Non, Joe Gomez. C'est pas normal. Il a pris un gros risque. Je pense qu'il a pris trop vite ce risque. Encore qu'il tente une passe comme ça, une passe laser. Voilà, on est à la 96e minute aussi. Hein. Je pense qu'il a raison. Maintenant, est-ce qu'il l'attend pas un peu trop tôt, un peu trop vite? Ça, c'est la question. Jarrell Kwanzaa qui va mettre ce ballon loin, très loin. La tête de dégagement de la part d'Harry Maguire. Il va en rester une peut-être. Une pour Liverpool. Ça fait 6 minutes de temps additionnel qui ont été écoulées. Il en reste une. Mais Joe Gomez n'a pas de solution. Le temps passe. Ouais, bien fait ça, de la part de Mossala, la déviation, la faute, non, pas de faute de la part de Bruno Fernandes. Et peut-être cette dernière action, elle sera pour United. Oh, quel ballon pour Anthony, qui a failli rééditer l'exploit d'Amad Diallo en FA Cup. La dernière occasion, elle était peut-être pour les Red Devils finalement. Curtis Jones, il faut avancer, mais il va être repris par Anthony. Il doit prendre les infos là. Ça fait une demi-heure qu'il joue pendant que les autres, ça fait 100 minutes. Allez, bien joué Cody Gakpo. Le ballon va-t-il sortir? Il n'est pas sorti ce ballon. Luis Diaz qui va tenter de conserver ce ballon. Luis Diaz qui est repris par Casemiro. Il y aura un dernier coup franc pour Liverpool. 97e minute ici à Old Trafford. Et carton jaune pour Casemiro. Il a essayé de le trouver, Mossala. Waouh, le tacle énorme. Quel excès d'engagement. Mais qu'est-ce qu'il nous avait fait encore, Luis Diaz? Le coup franc de la dernière chance pour Liverpool. McAllister ou Robertson? Trajectoire sortante, trajectoire rentrante. Telle est la question. C'est un coup franc tellement important pour Liverpool. Allez, c'est parti avec Robertson. C'est frappé. Là, c'est terminé la reprise d'Harvey Elliott. Et je pense que ça va se terminer là. C'est terminé ici à Old Trafford. Deux buts partout entre Manchester United et Liverpool. Et la grande question du soir pour les deux équipes, deux points de perdu ou un de gagné? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Manchester United, qui avait effectué 0 tir, a réussi à inverser la tendance, à mener 2-1 avant de se faire égaliser. Donc, est-ce que c'est 2 points de perdu ou 1 de gagné? Telle est la question, parce que c'est quand même un match pour Liverpool, bref. Mais surtout pour Liverpool. Mener 1-0, côté Red, on était serein jusqu'à cette erreur de Kwanzaa. Il y a eu des occasions où ils auraient pu mettre le deuxième but à plusieurs reprises. Il aura fallu attendre la 84e minute pour revenir à 2-2. Pareil, 2 points de perdu, 1 de gagné. Voilà, c'est un match nul qui n'arrange personne, à mon avis. Surtout pas Liverpool, qui lâche 2 points dans cette course pour le titre et qui laisse la tête à Arsenal. Premier Arsenal, deuxième Liverpool, troisième City. Mais là, l'étau se resserre considérablement. City, qui était à 3 points de Liverpool, revient à 1 point. Et Arsenal, qui était à 2 points de Liverpool, revient à égalité, mais à la différence de but. C'est donc cette équipe d'Arsenal qui est en tête.
Allez, merci les gars, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner les gars, n'hésitez pas à vous abonner parce que la semaine prochaine on va vivre du très très lourd. Donc voilà, merci vraiment. J'ai pris mon pied ce soir et en tout cas cet après-midi. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.